Radio Libre, la radio rock digitale. Ah, c'est énorme ce truc-là. C'est énorme ce truc-là. Moi j'adore hein, ce truc, c'est vraiment de la... C'est la musique un peu à part, quoi. Exceptionnelle. De la musique juste pour toi, qui est chez toi. De la musique pour t'apprendre à entendre autre chose que ce que tu écoutes entre deux pubs. Et la musique qui s'adresse aussi à celles et ceux qui collectionnent la musique en se disant que le plus important, c'est d'avoir beaucoup de titres sans jamais savoir ce que ça fait de l'écouter. Ouais, tout de suite, les grands mots. Ben oui, comme ça. Allez, des messages dans ma boîte maurice@mauriceradiolibre.com maurice@mauriceradiolibre.com c'est prénom, âge et ville d'appel. Hein. Donc Jimmy, 41 ans, de je sais pas où. Pour les permis de construire, donc c'est Jimmy, 41 ans, je sais pas où, t'as compris ? Ta ville, quoi. Pour les permis de construire, déclaration de travaux jusqu'à 20 mètres carrés. Jusqu'à 40 mètres carrés si c'est en zone U et si c'est un agrandissement touchant une construction existante. Et permis de conduire, de construire, pardon, c'est plus de 40 mètres carrés. Signé un maître d'œuvre devant son ordi. Bonne nuit à vous. Merci pour les infos, Jimmy. À noter ces missions culturelles. On apprend toujours quelque chose. On apprend toujours quelque chose. Dans cette émission, je voudrais rappeler à Marlène de Paris, ses prénoms, âge et ville d'appel. Hein. Bon. On y va, on enchaîne. Je salue celles et ceux qui me voient sur YouTube Live. Je vais venir, je vois pas encore tes commentaires, je vais venir les lire et bien rigoler. Allez, je fais bien ça. Cathy, 28 ans, à Meaux. Bonsoir, j'écoute depuis peu. Un ami m'a conseillé d'écouter cette émission. Allez, non, c'est pas un ami hein, si t'as conseillé. Je suis nouvelle motarde. J'ai une question. Si l'animateur accepte d'y répondre, l'animateur, c'est moi. Quelle est la différence principale entre un moteur à carburateur et un moteur à injection? Je crois que le moteur carbu n'a pas d'injecteur. Mais alors, comment rentre l'essence? La différence entre les moteurs à injection et les moteurs à carburateur, c'est que les moteurs à injection injectent l'essence dans le moteur. Donc, il y a une pompe qui crache l'essence sous la forme de vapeur d'essence, de... Tu vois, de... Comment ça s'appelle ça? De bruine, tu vois, dans la chambre de combustion. Alors que le carburateur, c'est une espèce d'aspiration de l'essence. C'est le moteur qui appelle lui-même, qui vient chercher l'essence dans le carburateur. Hein, pour te donner une idée un peu... Ouais, voilà, c'est ça la différence entre le moteur à injection et le moteur à carburateur. Le moteur à carburateur, il est con, quoi. Là, il y a un boisseau qui empêche l'essence de couler. Il y a des gicleurs... des petits, des gros, des machins, en fonction de l'action que l'on fait sur le carburateur. Tout ça avec des joints, des machins, des trucs. Alors, autre question, faut-il impérativement un antivol classe SRA pour que l'assurance puisse prendre en compte son utilisation? Je possède un Suzuki 650 G6F. Ah bon? 650 G6F? Ah bon? T'es sûr? Va, tu devrais regarder à nouveau ce qui est marqué dessus. Ou sur la facture, peut-être. Après, c'est tu regardes ce que ton assureur te dit. C'est ton assureur qui te le dit, Cathy. C'est pas moi. Il n'y a pas de truc. Chaque assureur fait ce qu'il veut. Donc l'assureur, il peut te demander d'avoir un antivol qui a trempé dans la choucroute, par exemple. Avec un certificat d'un faiseur de choucroute. Pour qu'il puisse te rembourser, ce sont les conditions d'assureur. Et ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, encore un petit là. Qu'est-ce qu'ils ont là? C'est prénom, âge et ville d'appel. Allez, hop, s'il n'y a plus de prénom, âge et ville d'appel, je lis plus. Allez, c'est fini.
Yann a 35 ans, il habite à Avon, il est là. Présent. Guillaume, 25, à Angers. Je suis là. Julien, 48, à Sangonié. Ouais, j'ai 42 ans, pas 48. Ah, merde, arriver, hein. 42 ans, à Sangonié. 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 Alban, 38, à Mons, en Belgique. Ouais, je suis là. Kader, 43, à 3. Oui. Simon, 38, à Digne. Oui. Arnaud, 45, à La Ferté-Alais. Présent. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, allô, qui va là, je te prie. Alexandre, 38 ans de Strasbourg. Alexandre, 38 ans de Strasbourg, il y a quelqu'un d'autre, allô, qui va là, je te prie. Lydie, 47 ans de Chantilly. Lydie, 47 ans de Chantilly. Il y a donc la Lydie dont on parle, hein, c'est ça? C'est ça, c'est vous? Bonjour. Oui, 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 bien sûr. Oui, je suppose. Il y en a qu'une. Donc, envoyez, donc c'était à vous que s'adressait Arnaud de La Ferté-Alais. Envoyez Arnaud de La Ferté-Alais. Donc, je voulais répondre à Lydie puisqu'elle m'a envoyé un message hier sur YouTube. Ah bon? En direct. Ah bon? Enfin, elle parlait de moi, donc j'ai le droit de répondre, donc j'ai rien contre. Non, je te stoppe tout de suite. Je ne t'ai pas adressé la parole sur le live de YouTube, Arnaud. Tu as un souci. J'ai lu ce que tu as. J'ai droit de commenter ce que tu as dit sur moi ou pas? Je n'ai jamais parlé de toi, je ne t'ai jamais cité dans quoi que ce soit. J'ai dû écrire 3-4 trucs et je parle à Maurice généralement sur YouTube. Donc tu n'es. Je ne t'ai pas. Écoute, non, mais attends, m'interromps pas, c'est quand même à moi de. Ouais, mais t'as dû tromper de personne, à mon avis, t'as pas vraiment arrêté l'alcool. Mais Lydie, je sais que tu es une ancienne de la radio, hein. Et même d'ailleurs, mais je veux dire, faut pas parler, sinon si tu m'interromps, ça va me couper. Bah oui, parce que le souci, c'est que je t'ai pas parlé, tu vois. T'as parlé à tout le monde, en fait. Et moi j'étais là, tu vois. J'ai lu ce que tu as écrit. C'est, ça alors, vas-y, dis ce que j'ai écrit. Vas-y, je t'écoute, ouais, vas-y. Arnaud, alors, attends un instant. Arnaud, de toute manière, il a aucune chance que son garagiste lui fasse payer moins quoi cher. C'est pas moi. Là, justement, il y a quelqu'un qui dit sur le chat de YouTube que tu dois confondre avec Loli. Attends, avec Loli, une autre auditrice. Je n'ai jamais parlé de toi, Arnaud. Non. Arnaud, tu m'écoutes là. Tu m'écoutes. Tu ne dis pas, je viens parler à Lydie à l'antenne, alors que quand tu commences ton propos, moi, je te dis non, ce n'est pas moi. Tu n'as pas à dire. Quelqu'un qui s'appelle comme toi. Non, il y a une autre personne qui s'appelle Loli. Tu as dû te tromper de ligne, j'en sais rien. Tu as confondu. Tu fais une fixette sur moi. Arnaud, il faut arrêter la parano. C'est pas parce que tu as arrêté l'alcool qu'il faut beau. Arnaud, il a aucune chance que son garagiste il lui fasse moins cher. Et c'est pareil pour l'alcool. Il a aucune chance d'arrêter l'alcool. Et j'ai répondu. Tu confonds, Arnaud, parce que. Moi je ne parle ni de garagiste ni d'alcool. Ce n'est pas moi, Arnaud, je te le dis. Tu es en train de diffamer sur moi, Arnaud. Si tu continues à dire que j'ai tenu de tels propos, je porte plainte contre toi. Arrêtez, tu as écrit ça sur moi, Arnaud. Non, je n'ai jamais écrit quoi que ce soit sur toi, Arnaud. Il faut arrêter la parole, je t'ai dit. Il y a une autre Loli sur le chat. Il y a quelqu'un qui usurpe ton identité sur. Non, il y a une Loli. Il y a une Loli qui est là. Hier, j'étais aussi sur le chat. Je suis sur les deux chats. Mais je n'interviens pas beaucoup sur YouTube. Et je te jure sur ma vie, sur la tête de ma fille. Je vais faire une annonce. Et du futur bébé qu'elle va mettre au monde. Oh. Je jure sur. Non, mais je ne suis pas sur ta fille. Attends, moi je sais que tu es une ancienne de la radio, j'ai du respect pour toi, mais. Arnaud, je l'aurais fait, je te le dis. T'as dû te prendre la tête toute la nuit et te dire putain, Lydie, elle a dit ça sur moi, je vais appeler demain, putain, Lydie, elle a dit ça sur moi. Je n'ai jamais parlé de toi, je n'ai jamais tenu ces propos, Arnaud. Jamais. Bon, en même temps, est-ce que c'est grave? Pour ce que c'est marqué, franchement. Il a pas à me mettre. Tu vois, parce que je voulais répondre que j'ai la technique, moi, pour arrêter l'alcool. Ah, il y a Loli70 qui dit non, ce n'est pas moi.
bah c'est pas Loli. C'est pas Loli non plus, mais Cherno, t'as bien fait quelque part, parce que comme ça j'ai appelé. Dès que j'ai entendu que j'étais mis en cause dans quelque chose, que tu voulais parler de moi, t'avais l'air un peu grave, un peu triste, et ben j'ai appelé quoi. Tu vois, t'as bien fait. Bon, c'est moi qui l'ai dit, voilà, t'en veux bien. Vous avez qu'à dire, si vous voulez. Comme ça avance. Hein, c'est moi en fait, Loli. Non, je parlais pas de Loli, je parlais Lydie. Ouais, bon, bah en tout cas, c'est. Arnaud, moi j'ai une question. C'est quoi c'est une biellette de direction? C'est quoi une rotule? C'est quoi ton problème de mécanique? Alors, j'ai le devis sous les yeux. C'est un stage. En parlant du devis, puisque. Le devis a augmenté de 50 euros dans la nuit. Enfin, dans la nuit, je veux dire, hier. Bon, il t'a rajouté une heure de plus, quoi, parce qu'en gros, c'est 45 euros l'heure de mécanique. Voilà, il m'a dit, c'est les pièces qui sont plus chères. Et c'est quoi, alors, pour répondre à ma question, c'est quoi les... Alors, c'est une rotule axiale de direction et une rotule de direction avant droit. Deux rotules? Ouais, enfin, ouais. Non, l'autre, c'est un axial. On est chez Noroto ici ou quoi, Maurice, là? Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qui va là, je te prie. Oui, c'est Rémi, Jesse de Compiègne, 27 ans. Et il a 27 ans, le Jesse. Très bien. Jesse, 27 ans, à Compiègne. On va écouter Alexandre à Strasbourg, s'il vous plaît. Bonsoir, Maurice. Bonsoir les auditeurs et auditrices. Je voulais faire un petit coucou à Lydie. Salut Lydie. Je t'invite au marché de Noël de Strasbourg. Non, tu m'invites pas. J'y vais avec ma mère et tu m'invites pas. En voyage organisé. Après, si je te vois là-bas, Alexandre, je ferai la bise. Mais moi, j'y vais en groupe. Je vais lui dire, on se connaît pas. Oublie pas, il va te filer un petit bicheton de 20 euros, il a dit, hein, normalement. Lydie, je voulais te féliciter pour le bébé que tu vas mettre au monde. Ah, c'est pas moi. 47 ans, faut qu'elle découvre le préservatif, Lydie, si elle va mettre un monde. Tu sais qu'on peut baiser sans faire de gosse. Hein. Ouais. Ça fait plus de 9 mois que j'ai pas baisé, Alexandre, donc c'est pas moi. Tu viens de dire que t'étais enceinte, c'est pour ça. Non, c'est ma fille, Alexandre. Ah, pardon. moi en fait Maurice, parlant du marché de Noël, Bon après quand Alexandre de Strasbourg va voir ta fille, ouais. Tu vois, je pense que tout va basculer, hein. Non, je la cacherai. Elle a quel âge ta fille maintenant, Lydie? 22, et ouais. Quand elle aura son bébé, elle aura 23. Ouais. Ah, 22 ans, 23 ans, Alexandre de Strasbourg, s'il la voit, il va venir avec un billet de 50. Hein. En plus, c'est un canon, quoi. C'est hyper joli, donc non, je vous montre pas. Faut protéger l'enfant, là, Lydie. En fait, il y a une polémique là qui enfle un petit peu à Strasbourg. Enfin, c'est un peu ridicule, mais je voulais quand même en parler. C'est en fait, il y a une polémique sur le sapin de Noël de Strasbourg. Oui, qui est craquelé, genre, je l'ai vu ça. Ouais. Alors, ils en ont donc fait venir un. Il y en a un qui s'est fissuré. Ensuite, ils en ont fait venir un deuxième. Était complètement ridicule, sans branches, sans rien. Ils ont donc collé des branches sur l'autre sapin. Mais ce qui est fou, Alexandre, c'est qu'en 2017, à Strasbourg, on continue à aller chercher dans la montagne des sapins immenses, à les couper pour les planter au milieu de la ville. Moi, je trouve ça complètement dément, avec tout ce qu'on raconte, la déforestation, le machin, le je sais pas quoi. À Strasbourg, ils n'ont rien à foutre, les mecs. Ils vont, ils coupent. Alors là, c'est le troisième, je crois, qui coupe. Parce que le premier, quand ils ont essayé de le couper, il s'est cassé en deux dans la montagne là-bas. Donc ils sont allés en chercher un autre. Enfin, je trouve ça grue et tout. Alors, je trouve ça complètement délirant, complètement démentiel. Que voilà, en 2017, on aurait pu imaginer un sapin artificiel moderne fait par je sais pas quoi les artistes locaux, un truc qui fait un plug, tu sais, comme l'artiste machin, là, un plug anal. Là. Non, mais je sais pas un truc. Non, mais je suis pas du tout en train de rigoler, vieux. Même si t'as entendu un truc marrant. Ce que je veux dire, c'est qu'en 2018-2017, ça paraîtrait logique que l'on trouve une manière
de célébrer Noël à Strasbourg avec un sapin gigantesque, mais qui ne soit pas issu de la forêt, qu'on ne coupe pas un arbre pour pouvoir le mettre au centre-ville, pour après le tronçonner et en faire des bûches pour le bois. Je trouve ça complètement... Mais s'il a poussé pour ça, Maurice... T'as vu la taille ? C'est dans une pépinière... Non, il a pas. C'est pas dans une pépinière, c'est dans la montagne, là, dans la forêt, là, qu'ils vont le chercher. Ah. Et c'est complètement... J'ai lu tout un truc là-dessus. C'est complètement... Plante rien... Excusez-moi, Maurice, mais je vous promets... Enfin, j'espère que vous me croirez sur parole, je n'ai pris aucun produit... ni alcool ni rien, mais je vous jure que, et je vous prends comme témoin parce que vous serez objectif, sur la caméra de Alexandre, le gars il a deux bosses sur la tête, mais vraiment quoi. Ou alors c'est moi qui ai fait une hallucination. Mais il a deux bosses sur des cornes. Ok, très bien. Mais voilà, donc je trouve que ce sujet du sapin de Noël de Strasbourg, c'est un truc, je comprends pas que personne ne gueule quoi. Que personne ne dise putain, arrêtez de couper les arbres. Arrêtez de couper les arbres. Surtout que c'est Strasbourg, c'est la ville symbole de l'Europe, machin, et toute la merde. Ils devraient ne pas faire ça, quoi. Bon, pardon, je t'ai coupé, Alexandre, parce que j'étais un peu énervé avec cette histoire de sapin. Ça m'énerve aussi, surtout que ça... c'est aussi de l'argent hein, que le contribuable va payer. Faire venir le sapin, ça coûte, je crois, 100 000 euros. Enfin, c'est... C'est incroyable et moi aussi en fin d'année. Très bien, j'arrive, hein. On va à la cuisine. Quoi ? Tu dormais hier soir ? Sans blague. Tu as de la chance, on a pensé à toi. Fonce sur la rubrique podcast www.mauriceradiolite.com. Qu'est-ce qu'il a dit, Maurice ? Maurice a dit. Il a dit ça, Maurice. Il exagère. Maurice exagère. Maurice a dit. T'as entendu ce que Maurice a dit ? Non, Maurice a dit ça. Et toi, tu dis quoi ? Le problème des taxis, c'est qu'ils n'ont jamais pensé à la suite. Et là, c'est planète, c'est pas que les taxis français. Hein. En tout cas, du monde occidental classique, puisque ce sont eux qui sont en frontal avec les nouvelles offres. Il faut penser à autre chose, il faut offrir. On peut pas se contenter simplement de dire « Ouais, j'ai payé une licence super chère ». Le client, il s'en branle que t'aies payé une licence super chère. Bon, c'est pas, ça peut pas être un argument. Il va falloir que les chauffeurs de taxi, s'ils veulent continuer à vivre, il va falloir que dans leur service, il y ait mieux. Il y a un truc que les mecs de Uber peuvent pas offrir. Mais ça va forcer les gens à se remettre en question pour créer un vrai marché qui fonctionne bien et qui va dans le sens du besoin de la clientèle. Maurice, c'est la nuit. Maurice, c'est la nuit. Maurice. Ça fait 20 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyperfestions de Maurice Radio Libre. C'est parti. De Denis, 77 ans, habitant Caille à Paris. Je pourrais être réactivé lundi, hein. On y retourne. De là, Claude. Je suis là depuis 19h. Tous mes remerciements pour ton cadeau. C'est quoi mon cadeau ? Un dessus de table. Un dessus de table ? Ah oui ? Moi, je t'ai envoyé un dessus de table. Oui, le mari, d'ailleurs. Un dessus de table ? Oui. C'est moi qui t'ai envoyé ça ? Ah oui. Ah oui, mais non, c'est pas un dessus de table, c'est un bandana. Hein ? Pas de doute, Coco. T'as le loup qui te colle à la peau. Stop ! On y retourne. J'ai une prof très pervers. Une prof d'histoire. Allô, Damien. Ouais. Une prof très pervers. Vers 2. Je voudrais bien refaire le chemin à l'envers. Stop ! On écarte les jambes. Donc mes fesses, elles sont là-bas. Maintenant, on peut s'allonger. Je dois remettre ma culotte, c'est bon. On y retourne. Voici Marlène de Paris, elle a 30 ans. Elle est là ? Oui, je suis là. Et tu veux mon avis pour la musique ? Ton avis, oui, il a intérêt à être bon, ton avis. Autrement, on est fâché. Vas-y. Ça, sûrement, j'aime pas. T'es une tanche, toi, c'est normal. T'aimes quoi ? Je te demande. J'aime bien, Brel, Piaf. Stop ! Non, je ne vais pas faire le Brel, il va. Stop ! Je vais jamais vous poser, vous demander une pipe. Ça va te rire, mais il a rajouté. Par contre, je veux bien que vous fassiez tomber votre crayon. Stop ! Les hyperpistes sont enfin disponibles dans la boutique officielle. Épisode 3. Maurice, Radio Libre. Maurice, Radio Libre. Un petit échange sur oui, moi j'appelle ça du tango, je sais pas quoi, mais je suis très content que tu l'aies entendu ce truc-là. Je sais que tu l'as pas chez toi. Ah, c'est bon, hein. C'est bon ça. Mm-mm.
Ah, Cathy, oui, c'est moi. Oui, 650. À remplacer les anciens modèles, confère photo, moi et ma moto lors de l'achat. Moi et ma moto lors de l'achat. Ah bah très bien, t'es une belle paire de bottes, bravo. Bravo petite. Imagine qu'avec le pantalon que t'as le blouson qui va avec, je te félicite. Et je te rappelle que depuis dimanche, et je rappelle à toutes celles et ceux qui circulent en France, que depuis dimanche, les gants sont obligatoires quand on circule à scooter ou à moto, ce qui est quand même vachement bien, je trouve. Et bientôt, on obligera les gendarmes et les policiers français à rouler avec un blouson, même pendant l'été, parce que les mecs sont en chemisette hein, pendant l'été. Donc voilà, donc c'est depuis dimanche dernier, la loi oblige les gens qui circulent à deux roues, enfin à deux roues motorisées, donc scooter, moto, à avoir des gants sous peine du PV, c'est un PV à 45, je crois, qui devient 68. Et c'est valable pour le pilote et le passager. Parce qu'ils ont compris, en fait, que le passager aussi, quand t'es un être humain et que tu sens que tu vas te foutre par terre, la première chose que tu mets, c'est les mains. Voilà. Donc, très bien. Bravo, Cathy, pour ta moto. Félicitations. Jimmy, 41 ans, Saint-André-de-la-Marche. Merci, proche de Cholet, proche de Nantes. Merci de nous cultiver, Jimmy. J'adore ça, hein. Ça nous fait voyager, nous rappelle que dans notre pays, il n'y a pas que Cholet et Nantes, il y a aussi Saint-André-de-la-Marche. À bord, nous avons Yann, il a 35 ans, il habite à Avon, il est là. Julien, 42, à Sangouagné. Présent, bravo, Maurice. Yes! Kader, Alban, 38, à Mons, en Belgique. Ouais, présent, Maurice. Kader, 43, à 3. Oui. Simon, 38, à Digne. Yes. Arnaud, 45, à La Ferté-Alais. En vivant. Alexandre, 38, à Strasbourg. Présent. Lydie, 47, à Chantilly. Là. Et Jessie, 27, à Compiègne. Oui, présent. Alors, on va écouter donc un peu Alexandre de Strasbourg. Et ensuite, comme on a déjà entendu Lydie, on passera à Jessie de Compiègne. Envoyez la purée, Alexandre de Strasbourg. Bah moi, je suis outré aussi parce qu'il se passe à Clichy. Apparemment, il y a des prières de rue devant les mairies. Mais et ça fait longtemps, des prières de musulmans. Voilà, de musulmans. Et bah moi, ça fait longtemps que ça existe. Ils n'ont pas d'endroit pour le faire. Donc, ils se battent pour obtenir des endroits pour le faire. Quoi. C'est normal d'avoir des lieux de culte. Ils ne peuvent pas le faire chez eux. Je trouve qu'on devrait interdire ça parce que, franchement, ça fait peur. On se demande n'importe quoi. Parce que Julien, ils font comment les autres? Ils le font. Mais ils vont à l'église. Ils vont à l'église. Ah oui. Les catholiques, ils vont à l'église. Pour prier, quoi. Pourquoi les autres musulmans, ils le font pas chez eux? Et si tout le monde se met à prier dans la rue, on va faire comment? Mais non. Bah, mais ils ont le droit de se réunir pour prier, quoi. Pas dans la rue. Il y a des endroits qui s'appellent des mosquées. Je suis désolé, il y a des endroits. Mais oui, non, mais il y en a pas assez. C'est pour ça qu'ils se battent. Ils n'ont pas le droit de se réunir dans la rue. C'est pas possible. C'est ce que je suis en train de lui dire. Tu crois qu'une mosquée, c'est un stade de foot et qu'on joue à guichet fermé à chaque fois? Je veux dire, attends, il y a de la place pour tout le monde. Je veux dire, mais attends, non, mais je rêve. Les mecs, ils vont dans la rue. Mais qu'est-ce que tu connais, toi? Qu'est-ce que tu connais? Julien, t'énerve pas, mais c'est vrai qu'en France, c'est interdit de prier dans la rue. D'accord, je suis d'accord avec toi, Lydie, mais ils revendiquent le fait de ne pas avoir de mosquée, quoi. De ne pas avoir ne serait-ce qu'un local pour le faire. Et des fois, c'est un peu long. Il faut attendre pour faire des démarches. Ils vont en avoir un. Mais ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure. Il faut manifester pour faire quelque chose. Les mecs, ils font n'importe quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont droit à leur loi parce que ça fait des années. En fait, tu vas avec leur démarche. Alors, comme les mecs, tu vois. Comme ils demandent depuis des années, bah ils ont du coup ils se disent bah nous on va aller dans la rue. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur envoyer les CRS, Yann. Absolument. C'est interdit, Julien. Donc quand c'est interdit, c'est interdit. Enfin, faut qu'on tergiverse pas avec la loi, quoi. C'est Et sinon ils sont qu'à prier chez eux comme font les autres. Les autres ils prient chez eux. Ils sont pas tous dans la rue. Tous les musulmans sont pas dans la rue en train de prier. Ou alors, en plus, comme ils sont assez solidaires entre eux, ils peuvent tous se réunir chez quelqu'un ou chez plusieurs familles et prier chez les gens. Enfin, ils se démerdent autrement. Ils le font peut-être déjà, d'ailleurs.
Ça, c'est après, il va dire oui, alors les femmes voilées, on a le droit, parce que bon, ça fait des années qu'ils demandent à ce qu'elles soient voilées, mais alors comme on ne veut pas, bah, c'est pas grave, on va les faire voiler dans la rue comme. On a le droit, les femmes voilées dans la rue, hein. On a le droit. Moi, mes prières, Avec un masque aussi, c'est bien. Moi, j'ai un tapis. Moi, mes prières, je tiens à le dire. Moi, je suis croyant. Je crois en mais Dieu. Toi, sont tes voisins qui te demandent de rester chez toi, non? Pardon, elle était facile. J'ai fait pour rigoler. Mes voisins vont bien, Maurice. Je vais fêter mes 20 ans de logement. Je vais faire d'ailleurs une petite fête. Là, en ce moment, il y a une fuite dans l'immeuble. Dans la classe. Pour ta fête? Pardon? Tu invites tes voisins pour ta fête? Ouais, j'ai Il a dit petite fête, il dit parce que petit logement. J'ai acheté, ah oui, c'est vrai. Ce sera le 15 mars 2018. J'aurai des invités exceptionnels. Je vais inviter le président du conseil. Vous allez être serré, hein. Je vais inviter certaines voisines. Non, ça ne gêne pas, toi. Vous êtes nombreux, donc essayez de garder vos commentaires, tout ça, ou coupez votre micro pour faire ça, parce qu'autrement, ça assure le discours d'Alexandre et ça ne nous permet pas de l'entendre. Allez-y. J'ai fait un listing de tous les voisins et voisines qui ont vécu ici durant 20 ans dans mon immeuble, donc je vais également les contacter et les inviter. Et je vais vraiment faire une réception dans mon couloir, où il y aura du champagne. Je vais peut-être inviter une personne de la municipalité de Strasbourg, parce que je veux qu'il soit de la fête, et que ça... Donc je vais faire un discours, je vais m'intéresser à l'historique de mon immeuble, à l'historique de mon quartier, et rendre ce moment culturel et humain. Je parlerai peut-être de Maurice Radio Libre, qui est ma passion, parce que je parlerai aussi de moi. Et en ce moment, il y a des gros problèmes dans l'immeuble. Avec mes voisins, ça va, Maurice. Bon, il fait froid en ce moment dans le couloir, donc je traîne plus trop dans mon couloir. Et ta voisine? J'ai fait le tour. Mais celle que t'avais un... Il n'y a pas une voisine, t'as eu une aventure il y a quelques temps, tu nous disais, non? Il se souvient même plus de ce qu'il raconte, quoi. J'ai ma compagne qui habite pas loin de chez moi aussi, qui habite à moins de 300 mètres. Là, ce week-end, on est allé en forêt, on est allé au Mont-Saint-Odile, Maurice, avec son enfant et l'enfant du frère de ma copine, donc son neveu. C'était super. On y allait en voiture. Ça m'a permis d'avoir respirer le bon air, une belle sortie bucolique. Ensuite, on voulait se faire un resto. Et comme il était 18h30, tous les restos étaient fermés. Enfin, et donc, on est allé au Chiquita au Bernay. Et alors, on rentre, donc ils étaient en train de manger. Et alors, ils nous disent « Ah, désolé, on ne sert pas. » Donc, on est ressorti et t'as le patron derrière qui a couru et qui a vite fermé à clé. Et ma compagne a trouvé ça déplacé. Le mec, il a fermé comme un voleur. Alors, le terme, c'est pas... Pour pas que d'autres personnes... Mais le terme, c'est pas déplacé. Hein. C'est pas déplacé, le terme. Elle a trouvé ça... pas normal, elle a trouvé ça bizarre, elle a trouvé ça scandaleux, mais elle n'a pas pu trouver ça déplacé, parce que ce n'est pas déplacé de fermer la porte. Elle a trouvé ça bizarre, elle a trouvé ça scandaleux, parce que bon, en plus, Aubernais, c'est pas la grande ville, quoi, il n'y avait pas une cinquantaine de personnes. On a demandé, est-ce qu'on peut venir manger? Ils ont dit, non, on a vu qu'ils étaient en train de manger avec le personnel, donc on est sorti de manière polie, quoi. Putain, on voit le patron, vraiment, il ferme la clé, quoi. Mais moi j'ai vu ça, je me suis dit, c'est scandaleux ça, le mec, ils ont pas besoin de clients. Et donc voilà, finalement, bon, on a fait 7 cuits resto, on s'est pris la tête, alors on est rentré finalement, il est 9h30. Quelle heure il était? On a commandé 2 pizzas au limoncello, qui sont très très bonnes, c'est un restaurant près de chez moi. Bon, je cite le nom. C'est quoi les pizzas limoncello? C'est quoi ça? Le restaurant limoncello à Strasbourg. Ah d'accord, c'est pas le nom de la pizza. Limoncello, c'est un digestif italien. Non, c'est le nom d'un restaurant. Ah d'accord, je savais pas, tu vois. De quel coin d'Italie? Ça, je sais pas. Le limoncello, c'est pas... C'est un truc au citron, c'est un digestif. Ouais, limone, on imagine. je prends toujours une pizza au saumon. Donc bon, les gens qui veulent téléphoner à ce restaurant, ils sont prévenus. C'est-à-dire que toi, t'habites à Strasbourg et tu prends des trucs au saumon.
Ah, c'est spécial de faire un truc comme ça. moi, à Strasbourg, je mangerais pas de poisson, tu vois. Je sais pas, si j'allais à... Ouais, si j'allais à... Je sais pas où. Quand je vais à Brest, je mange du poisson. Mais à Strasbourg, putain, le camion, il a roulé longtemps avant que le poisson arrive, hein. Mais dans les pizzas, on met c'est du poisson qui doit faire meuh, ça, celui-là. Tellement il a vie de vache. Ils sont mon frère, Maurice. Ils sont très très bons. Ils font des très très bonnes pizzas, d'ailleurs. Ils font des très très bonnes pizzas. Moi, je revendique ce restaurant. J'invite tout le monde à y aller. Il y a du saumon dans le rein. Lydie, si tu viens, je t'inviterai. Mais j'aurai pas le temps. Je fais vraiment un tour. Je vais faire le tour de. Ouais, de ta région, donc je vais aller à plusieurs marchés de Noël en une journée, tu vois, ça va pas être possible. Bon, allez, Lydie, on se dit la vérité ou pas? Ouais. Bon, alors, bon, on va gagner du temps. Est-ce que tu auras le temps de montrer tes nichons à Alexandre de Strasbourg? Voilà, c'est mais ça non, en fait, sa question. Avec ma mère, c'est enfin les mémés et tout ça. Bon. Non, parce qu'autrement, lui, tu vois, il va en rêver la nuit. Il va se dire, Lydie va venir, elle va me montrer ses nichons. On fait carré, donc Alexandre, tu ne verras pas les nichons, ni même ta chatte, tu baisseras pas ta culotte. Mais non, ça caille au marché de Noël, on va pas rester longtemps, on va faire le tour du marché, on va remonter dans le bus et on va à Colmar après et d'autres marchés. Et, non, ça va bien. Vous avez gagné, vous avez gagné un voyage à Strasbourg sur France 3, non, c'est ça? Putain, Strasbourg-Colmar. T'es pas France, ça veut dire quoi? Ça veut dire mais que t'as pas donc, ta maman et qu'il serait chaud Excusez-moi, donc Alexandre, ça te permet d'en savoir un peu plus sur la venue de Lydie à Strasbourg. Donc elle risque juste de te faire un petit coucou, te dire bonjour et voilà quoi, il n'y aura pas de... Et je lui ai déjà dit sur le chat, mais il monte ça, il voit ça, il voulait même me louer son appart pendant une semaine lui. Je lui ah dis, mais ça c'est pour gagner du pognon. Strasbourg, il me dit je te loue mon appart. Bien sûr. Et oui, tu payeras avec les 1000 euros qu'il t'a donné. J'ai un deuxième invité, Arthur qui doit venir. Tu vois ça fait déjà deux visiteurs. Et bon, j'ai Tu vas devoir nous payer aussi, hein, pour venir voilà. Te voir. Donc bon, moi, vous êtes les bienvenus. Vous me verrez en vrai. Vous serez pas déçus du résultat. Je te vois déjà à la cam, là, ça va. Ouais, non. Lydie, il y a du monde à Strasbourg. Il faut que tu m'appelles. Sinon, tu peux aller mais dans. Mais j'avais ton numéro. J'ai dû noter quelque part. Tu peux aller au Lui Express, rue du 22 novembre. Tu me demandes. Les gens savent qui je suis. Tu peux aller, contacter la police également. Pourquoi te contacter la police? Ils sont prévenus, ouais. La brigade anticriminalité, Maurice, ils me connaissent. Non mais pourquoi est-ce que Lydie doit contacter la brigade anticriminalité? Je comprends pas. Ben, disons, si elle me trouve pas à Strasbourg, elle peut les appeler et puis eux, ils me localisent. Ah d'accord, ils vont regarder dans quelle cellule ils t'ont foutu, c'est ça? Non, mais la vraie ah madame, si vous voulez le voir, on l'a mis à Strasbourg Nord. Sans rigoler, la vraie question, c'est pourquoi ils connaissent surtout. Ouais. Bah parce qu'il va leur parler. Non, mais ils me connaissent parce que je suis passé à la télé sur Energy 12, c'est pour ça qu'ils me connaissent. Ah bon, Je remercie d'ailleurs mes deux fans qui m'ont accosté aujourd'hui à Strasbourg. Donc il y a un problème de criminalité à Strasbourg parce que les mecs de la brigade anticriminalité regardent Energy 12. Au lieu de faire le boulot, ils sont en train de regarder Energy 12. Ils connaissent tellement vrai. Ah, je les salue hein, parce que bon là on est en train de dépeindre un truc. Alors que ce sont des gens qui doivent bosser quand même. Donc genre, je salue la police, la brigade anticriminalité de Strasbourg. Mais pourquoi les pompiers ne le connaissent pas? Pourquoi, tu vois? Pourquoi ce serait eux? Non, les infirmiers lui ont demandé de ne pas parler d'eux. les mecs de l'hôpital central de Strasbourg ont dit « Attention, si vous parlez à la radio, vous ne parlez pas de nous ». Parce qu'ils sont souvent, ils sont là souvent. Il y en a, si tu regardes derrière lui, il y a des vêtements des infirmiers qui sont encore restés à l'intérieur de sa maison. Ils sont par terre, là, tu vois. Lydie, je te présenterai également Philippe Vogel, qui est correspondant sur TF1. Il faudra qu'il soit avec toi au marché Noël si on se croise.
D'accord. Bah, tu sais, Torada, tu verras le père de Matt Pokora qui tient un stand également. Je te présenterai André. Génial. On sait pas, quoi il ressemble. De toute façon, il faudra présenter dire un match. Ouais. Le père de Matt Pokora, je crois que c'est ma préférée en fait. Oh, putain. Et je te présenterai aussi la maman d'Yves Mourouzi. Ça, le père de Matt Pokora, ça c'est énorme quoi. Il n'y a que dans cette émission t'entends un truc pareil, tu vois. Le mec, non mais attends, Maurice, il est connu, hein. Le père de Matt Pokora, c'est un footballeur. Pardon, il est connu. C'est un footballeur, je crois. Le père de Matt Pokora, il était connu, c'est un ancien footballeur. Mais par contre, on le connaît. Quand on le parle de lui, on parle de son fils, en fait. Parce que c'est. Oui, on dit pas, c'est je vais te présenter Monsieur Pokora. On te dit, je vais te présenter le père de Matt Pokora. Mais il est connu, hein. J'essaie de le défendre. Oh, j'adore. C'est tellement vrai qu'on sait toujours pas son prénom, d'ailleurs, depuis le temps qu'il nous en parle. C'est juste Alors, il n'y a que dans cette émission qu'on peut vivre un truc pareil, quoi. Le père de Matt Pokora, quoi. C'est comment le prénom du père de Matt Pokora, toi qui le connais si bien? Il s'appelle André Tota. Ah bon. Total. Total. Bah, Tota, T-E-T-A, tu peux regarder sur Google. Wikipédia. E-R-O. Il a été invité dans Vivement Dimanche avec Michel Drucker. Ah oui, alors là, ça veut dire que bon. Wow. C'est et est-ce que tu peux nous présenter le père de Michel Drucker ou pas? Parce que je veux pas être désobligeant, mais en fait, tu le connais tellement bien, et il est tellement fier que vous avez jamais de photos ensemble, quoi. Alors que t'as un Facebook, t'as plein de. Non, mais bah, si les gens en général refusent de faire des photos avec Alexandre, c'est un peu normal. même Lydie, quand elle va venir à Strasbourg, elle va dire bon, écoute, on passe l'après-midi ensemble, mais par contre, pas de photos, d'accord. Tu sais, tous les gens qui vont à la rencontre d'Alexandre de Strasbourg, ils savent, ils ont une petite poche, ils disent tu me donnes ton téléphone portable, je mets dans ma poche, t'oublies pas de me le truc. Tu n'as pas le droit de manipuler ce truc-là quand on est ensemble. C'est une blague. Mais c'est vrai, Maurice, les gens ils veulent pas de photos avec moi. Bon, voilà, mais ils m'aiment bien. Moi, c'est très confidentiel, tous les gens que je vois, c'est confidentiel. Eh ben bah oui, regarde, tu vois, le père de Matmo Pokora, monsieur Drogel, c'est confidentiel. Vraiment, confidentiel. Donc là, vous êtes dans la partie confidentielle de l'émission, donc bien entendu, tout ce que vous entendez, c'est valable pour toutes celles et ceux qui écoutent l'émission, même en podcast. Toute cette partie-là, donc c'est privé, donc les informations que vous entendez maintenant, vous les gardez pour vous, vous n'avez pas le droit d'en parler, hein, surtout. C'est important. Bah, disons, il y a un côté confidentiel, c'est comme les gens qui peuvent... Oui, mais oui qui j'ai quand même... la vie confidentielle, Maurice. Ouais. Tu sais, moi, Maurice, j'étais un ami sur Facebook, je ne dis à personne, et voilà... J'ai pas compris. Mais non plus, elle n'en parle pas. Tu as plein d'amis sur Facebook? Non, j'ai 38 amis, Maurice, sur Facebook. Et tu fais partie de mes amis, Maurice. Ah, je fais partie de tes amis? J'en suis ravi, vieux, mais pas de photos. Hein. Parce que bon, après, quand tu tombes sur la brigade anticriminalité de Strasbourg, là, les mecs, ils t'emmènent au poste. Hein, vous étiez avec lui, les mecs, ils t'emmènent pour vérification d'identité. On va écouter Jesse à Compiègne, je vous prie. Et alors, moi, j'avais dit que la prochaine fois que Alexandre de Strasbourg venait sur ta chaîne, sur ta radio, j'interviendrai parce qu'il a dit des choses qui moi me. Bah, après il dit pas que des bêtises. Tout à l'heure il a dit quelque chose de très intelligent sur. Enfin, je suis pas tout à fait d'accord, mais c'était sur les mots, sur les prières de rue. On peut ne pas être d'accord, mais c'était assez sensé ce qu'il disait. C'était assez droit dans ses idées. Mais des fois, moi, je trouve que Alexandre, tu dis n'importe quoi. Tu te prends pour une star, tu n'es pas une star. Il va falloir que tu te le mettes dans la tête. C'est pas parce que C'est pas juste ça, Jesse, c'est pas juste. Mais c'est pas parce qu'il a fait une émission, il faut bien que quelqu'un lui dise. Parce qu'il tient des propos sur les femmes dont tu fais partie, des fois, qui sont plus que déplacés, qui sont méprisants. Quand on dit
quand on dit que les femmes sont de la marchandise sexuelle et qu'on doit pas pas jouer. Non, moi le truc qui me gêne dans ce que tu dis, Jessie, c'est que moi qui suis assez sensible quand même, j'entends, enfin quand il y a un facho ou un phallo ou quoi que ce soit, je l'entends. Et Alexandre m'a jamais heurté par rapport à ma sensibilité féminine. Tu vois ce que je veux dire? Tu as qu'à écouter toutes les émissions. Mais je suis révoltée quand il y a un gars qui dit des trucs. J'appelle de suite pour manifester. Alexandre, ça te dérange pas? Alexandre, il m'a jamais choqué. C'est vrai que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Ah ouais. Après, s'il a envie de jouer sa petite star. Après, quand il dit je suis prêt à devenir une star, même s'il faut qu'on me passe caca dans la bouche, ça te choque pas ça? Et toi, ça te fait non? Enfin, ça me choque pas. Devant une radio, dire sur une radio publique, il faut qu'on passe caca. Mais laisse-moi parler, c'est pas grave, je vais parler après. Dire sur une radio, devant tout le monde, devant 70 000 auditeurs, devant un grand animateur ancien Skyrock, qui est Maurice, ancien animateur, qui est Maurice, parce que Maurice, c'est pas non plus la merde. Maurice, c'est pas non plus une grosse merde à qui on doit dire n'importe quoi, et te permettre de dire, je suis prêt à me faire caca dans la bouche pour réussir, je suis prêt à faire la pute pour réussir, moi je suis désolé, ça me dérange. Et quand on traite les femmes de marchandises sexuelles, il faut pas jouer avec la marchandise sexuelle, moi aussi ça me dérange. Et quand on se prend pour une star, alors qu'on est passé 10 minutes dans une émission sur NRJ 12 pour faire les figurants, et qu'on se prend pour une star, alors que c'est une émission qui date d'il y a 10 ans ou d'il y a 5 ans, parce qu'il a fait quoi, Alexandre? Il est passé 10 minutes dans une émission, moi je l'ai vu l'émission, il est passé 10 minutes dans une émission il y a 5 ans. C'est une émission qui date d'il y a 5 ans, il est passé un quart d'heure. Ce que tu dis, tu l'as dit, on l'a compris, tu l'as déjà dit, ça fait deux fois. Moi, je veux juste te dire que par rapport à la prostitution, les femmes font ce qu'elles veulent de leur corps. Si elles trouvent que tant qu'il n'y a pas de mec derrière ou de réseau de prostitution, moi, ça me va. Si la femme devant son corps, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre. Elle est libre d'une. De deux, Alexandre, s'il a envie de se prendre pour une star parce qu'il est passé à la télé et que les gens dans la rue lui demandent des photos, ça me pose pas de problème. Si ouais, il faut comprendre aussi Lydie, parce qu'elle va aller à Strasbourg bientôt pour le marché de Noël. C'est difficile, il n'y a pas de pissotière ni rien, donc elle essaie d'être copine avec Alexandre de Strasbourg pour qu'elle puisse aller pisser chez lui. Donc soyez gentil, elle le défend. Mais on est en société, il y a des règles, il y a des codes à avoir, il y a une éthique à avoir, on ne dit pas n'importe quoi. On ne dit pas je vais faire caca dans ma bouche. C'est ce que je vais te dire, Jessie. Je vais te dire, je vais aller chercher mon gars de ceinture et je vais t'enculer. Est-ce que ça te choque? Bravo. Ça, c'est bien. Moi, si tu me dis un truc comme ça, reviens me dire ça en face et moi, je te fous deux flaques dans ta gueule. Je te mets une branlée, mais pas possible. Je te mets ta branlée, moi. Et je fais l'amour. T'encules. Mais pas trop. Ça te choque en quoi? C'est très sympa pour l'image des femmes, ça. Il y a des pays, ouais, tu dirais ça, on te couperait les deux mains et on te foutrait en tôle. Casse-toi là-bas. C'est la liberté, c'est l'expression d'être. Il y a trop de liberté, c'est ça que vous ne comprenez pas. Dans ce pays, il y a trop de liberté. On autorise tout et n'importe quoi. Et les gogoles comme vous qui s'autorisent à dire des obscénités et des saletés, des crasses pareilles. Okay, n'importe quoi. Tu sais ce que tu es? T'es restreint. Toi, t'es une crado, ma vieille. T'es une porte, t'es une truie. T'as pas le droit de m'insulter comme ça. Et d'une, même si j'aurais quand on est maman et qu'on a des enfants, on se doit se tenir un petit peu. Mais où? Une maman n'a pas le droit d'avoir des fantasmes sexuelles, mais où tu vas, toi? Tu délires dans ta tête, t'es complètement... Eh, mon pauvre, faut que tu changes de planète, hein. Ce monde-là, il n'est pas fait pour toi. Va parler à tes enfants comme Alexandre y parle. Va leur dire devant, en face, j'ai une fille de 22 tes gamins de 4 ans ou tes gamins de 10 ans. Va leur dire. J'ai travaillé en maternelle pendant 2 ans avec les gamins, j'étais à SEM, et tu crois que je leur ai dit ça aux gamins? T'es complètement perché, toi. Non mais les gens comme toi, ils sont capables de le dire. Tu peux pas remettre... Les gens comme toi qui n'ont aucune éthique sont capables de le dire. Et les gens comme toi qui ne sont pas choqués par des propos dégueulasses et infâmes... J'ai juste ma liberté, et ce que j'ai envie de dire, et avec qui j'ai envie de dire, je sais où je suis. Je suis sur une radio, j'ai le droit de parler de cul, il y a une certaine liberté d'expression, donc je m'autorise à dire ça. Et je sais qu'avec...
Excusez-moi. Je sais que je ne ferai pas. Et tes propos, Jessie, ce sont les tiens qui sont chauds. Lydie, Jessie, j'ai juste une question. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite ton propos? Parce que t'as beau dire un truc auquel tu crois, mais le responsable, c'est Maurice qui laisse parler. Pourquoi tu lui dis rien à lui? Pourquoi c'est Lydie qui parle? Je suis pas d'accord avec non plus avec Maurice, mais Maurice, si. Il l'a déjà rappelé à l'ordre et je sais que Maurice n'en pense pas moins. Maurice, quand Maurice rigole et qu'il dit bah tu vas lui montrer tes nichons, bah il va te donner 50 euros, c'est bien évidemment qu'il est pas d'accord. Il ironise tout ça. Il ironise tout ça parce que ça doit le choquer, mais il en pense pas moins. Et voilà. Mais voilà. Mais personne n'est choqué de dire n'importe quoi, qu'il y ait des individus. Jessie, tu as quel âge? 27 ans. Ouais. Et moi j'ai plus de valeur que toi, ma pauvre vieille. Ouais, j'ai plus de valeur. Il y a des pays où tu dirais le quart de ce que tu dis, on te foutrait en zonzon, ma vieille. Et dans mon pays, tu tiendrais pas deux jours. Ton pays. C'est quoi ton pays Ton pays de quoi? C'est quoi ton pays, Jessie? Ça vous regarde pas. Mais voilà. Bah ici, t'es en France. En France, on a le droit de s'exprimer et de dire tout ce qu'on veut, quoi. Donc si ça te plaît pas, la solution c'est de retourner dans ton pays, comme tu dis quoi. Parce que ton pays, c'est pas la France. La France est un pays. On fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. Tu vivras ailleurs, casse-toi, tu pues. C'est toi qui pues, ma vieille. Va te laver la chatte, tellement tu t'es pris de bite dans la chatte. Mon gars, tu te prends pour qui? La meuf, elle s'est fait. Tu n'es pas fait baiser depuis 9 mois, ça j'en doute ça. Ah ouais, mais t'es là, t'es dans ma vie, tu vis à ma place alors. T'en doutes de quoi? Mais je te permets pas de douter, mais c'est toi, ferme ta gueule. Et là, sale pute, va. Va lécher la bite à Alexandre. Jessie, tu penses pas qu'il y en a qui pourraient être choqués par tes propos et par les insultes? Il y en a qui pourraient être choqués aussi, qui pourraient dire à l'antenne: ouais, j'ai entendu Jessie, il dit des propos dégueulasses, il insulte les nanas. Et ouais. Non, mais ça, c'est pas pareil, c'est parce qu'elle m'a poussé à bout. Et elle m'a insulté, elle m'a heurté, elle m'a dit des trucs méchants aussi, bien avant que je dise ça. Donc voilà. Donc là ça passe, Jessie. Excuse-moi. Donc tout à l'heure les propos d'Alexandre de Strasbourg ne passaient pas pour toi, mais quand tu emploies les autres jours. Donc là cette fois-ci tu emploies les mêmes. Donc on n'est plus dans le respect de la femme dont tu nous parlais tout à l'heure. Là ça passe alors. Ouais, c'est clair. Il m'a pas respecté, voilà. Ouais. Non mais les femmes qui se respectent pas, j'ai pas envie de les respecter, tu vois. Oh, mais c'est quoi se respecter? C'est quoi se respecter? Moi je disais que cet homme-là salissait les femmes parce qu'il salit les femmes bien. Après les femmes qui sont pas bien comme toi, parce que je suis femme et je parle de sexe. Quand c'est un mec, c'est mieux, c'est ça? Quand c'est un mec, ça passe, mais quand c'est une fille, ça passe pas. Hein. Non mais toi tu es malsain, tu as un esprit malsain. C'est Gomez là, hein. Oh le petit Fallo, je vais pleurer avec toi, le pauvre petit. Le petit Fallo, il va te foutre une branlée, ma vieille, tu vas te faire. Ouais, c'est ça. Tu vas passer toujours à l'hôpital. Alors tu sais que ça, Jessie, c'est puni par la loi dans notre pays. Hein. En France, c'est puni par la loi. Parce que menacer quelqu'un. Écoute-moi. Menacer quelqu'un, dire à quelqu'un que tu vas le rosser et le mettre à l'hôpital, c'est puni par la loi. Donc t'as quand même intérêt à y faire attention à ça. On va écouter Yann Davon, je vous prie. Merci, Maurice. Donc, moi, j'avais quand même une réflexion vis-à-vis de Lydie maintenant, parce que, bon, là, il y a un truc que j'ai toujours pas compris. Donc, en fait, si tu montres pas ta chatte à Alexandre au marché de Noël, c'est parce qu'il va faire froid uniquement, et c'est parce qu'il y a ta maman, en fait. Mais sinon, ça passe. Non, mais j'ai pas envie d'avoir ces rapports-là avec Alexandre. Je le vois, c'est bien, je le vois pas. Maurice, tu dis, est-ce que tu vas lui montrer ta chatte et tes nichons? Tu fais, non, il y a ma mère. Non, il fait froid. Yann. Pauvre meuf. Bah, je sais pas. Hein. Mais tu me laisses parler. Non, mais Yann, si tu veux. Mais en fait, Alexandre, j'ai ni envie de coucher avec lui, ni c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui me fait énormément rire dans cette émission. Après, j'ai pas envie de coucher avec lui. Ah, hein. C'est très drôle ce qu'il dit. Hein. C'est très drôle. De toute façon, oui, c'est très drôle. Moi, ça montre ton petit niveau, ma vieille. Hein. Ça montre ton petit niveau d'intelligence. Si tu trouves que c'est très drôle, va écouter des gens intelligents. Mon ouverture d'esprit par rapport à la tienne qui est complètement étriquée, mon pauvre gars. Il y a une différence entre ouverture d'esprit et ouverture de chatte et ouverture de n'importe quoi. Oui, parce que j'ouvre mon esprit, j'ouvre forcément ma chatte. Toi, t'es débile. Hein. Par contre, Jessie, il y a un truc que je comprends pas. T'es prêt, parce que t'es énervé, peut-être que c'est vrai. T'es prêt à taper une nana comme on taperait un mec, en fait.
placé sur le même niveau. Non, parce qu'elle m'agresse. Elle non, me... en vrai, je parle elle se fout de ma gueule. Les gens qui se foutent de ma gueule, moi je leur fous des claques. J'en fous la branlée. D'accord. Tu te ta gueule, je parle de liberté sexuelle. De te mettre un gode dans le cul, ça non, fait mal. Tu t'es foutu de ma gueule, tu m'as dit oh le petit phallo, je sais pas quoi, je sais pas, quoi comme insulte. C'est une définition de phallocrate. Donc, comme elle, moi j'aime pas. C'est un mot français en fait. Bon, les femmes comme ça, comme elle, genre pissent dessus, hein. Franchement. Ça, et bah, et bah, tu vois, il y en a plein qui écoutent cette émission parce qu'il y a une libre, il y a une libre parole. Et justement. Ah, mais il y a trop de libre parole. Moi, je serais plutôt féministe. Ça vous ferait pas de mal de faire un petit tour. Et les, hein, et les dans femmes le pays, dans la rue. Moins de parole. Bah, toi aussi, mais quel pays comme j'ai la main et que je l'ai pas longtemps, je voudrais juste en profiter pour dire à Jessie, est-ce que tu penses que si c'était pas une libre antenne qui laissait un peu de liberté aux personnes, toi-même, là, tu pourrais pas tenir ses propos? Ouais, pas cette liberté-là d'ailleurs. Ouais. Tu pourrais même pas en profiter. Non mais je serais m'adapter et tourner mes phrases autrement, mais en faisant passer le même message. Moi je bah, fais-le parce que c'est pas ça montre pas ton intelligence. Ouais, t'es complètement étriqué. T'as 25 ans. Tu vas pas être heureux dans l'avenir. Je te le dis. C'est tout. Voilà. Ah bah dans ce monde-là, avec des gens, des fous comme vous, des malades mentaux, on peut pas être heureux. Hein, ça c'est sûr. Parce que tous les gens qui appellent sont des dingues. Vous avez des problèmes psychiatriques. Oui, tous les gens qui appellent sont des dingues à part toi. Toi, t'es le seul mec sain, là, à l'antenne. C'est ça? Bah, un peu moins, là, si je me dis. La France, elle est partie à zéro, là. Non, on est à l'année zéro, là. J'ai encore. Jessie, de tous ceux qui appellent, tu trouves que c'est Alexandre qui est le plus à pointer du doigt ou il y a d'autres personnes qui t'énervent? Bah, bien sûr, c'est le pire. C'est le pire. Ah. C'est celui qui a dit. Il n'y a que lui qui a dit ouais, moi je suis prêt à qu'on me fasse caca dans la bouche pour réussir. Je suis prêt à faire la pute. Je suis une star. Moi je suis le champion du monde. Vous, vous êtes rien. Moi je suis une star. Mais tu te prends pour qui, mon gars? C'est un rigolo. Et toi, tu défends les rigolos. Donc t'es une mina pour moi. Tu vois rien. J'ai même pas envie de te respecter parce que t'es même pas une femme, t'es une sous-femme. Mais Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Allô, qui va là, je te prie. Patrice, qui est en temps de Saint-Jean. Bon, on va laisser un petit peu avancer Yann Davon. Et ensuite, on va écouter Patrice à Saint-Jean-de-Luz. Envoyez Yann Davon. Je vais pas être déçu, j'arrive. Merci Maurice, tout de suite. Donc, je te demandais, Jessie, est-ce que tu écoutes souvent ce que dit Alexandre ou pas? Bien sûr, j'écoute. De temps en temps, quand je suis là, parce que moi, j'ai pas que ça à foutre de rester planté devant mes soirées comme vous tous les soirs. Mais des fois, j'entends. Des fois, j'entends. Et tu es au courant que. Mais t'écoutes quand même, là, je suis dégoûté. Ouais. Mais le truc, c'est que tu es au courant qu'en fait, il prend un traitement et qu'il est pas bien et qu'il a des troubles, etc. Et ça t'embête pas. Tu te dis, en fait, parce qu'il est pas complètement responsable de ses propos. Et ça t'embête pas. C'est-à-dire que t'es prêt à taper sur un malade, en fait. Ah bah là, c'est autre chose encore, mais ça vous l'avez pas dit. Ça jamais personne n'en a parlé. Si j'ai une maladie à vie, je souffre d'hémochromatose qui me fait mourir tous les jours un peu plus, et ça aussi on le dit pas à l'antenne. Alors je peux dire des trucs maintenant? Elle y dit, moi aussi je me remplis tous les jours. Hein. Bon, très bien, on va écouter Patrice à Saint-Jean-de-Luz, vous prie. Ouais, moi je me... Enfin, ouais, si je peux parler. Moi, je suis assez indigné en fait par les propos de notre attardé là de Picardie là, parce que les gens ne savent pas où se trouve la Picardie. De qui l'attardé de qui parles-tu? Ouais, c'est à toi que je parle. Je t'emmerde. Quand t'auras fait tout ce que j'ai fait dans ma vie, tu pourras parler. L'attardé, il a 2 fois plus de niveau que toi. J'ai un bac plus 3. Moi, j'ai bac plus 6. Ouais. Ah, c'est vrai. Il y en a qui ont bac à sable aussi. Moi j'ai ça. Voilà, c'est ça. Il faut déplacer envers une femme aussi. Et puis moi, ta vision de la femme. On a rien à faire. On t'entend pas bien. On t'entend pas bien. On se déshumanise. On n'est plus humain et on n'est plus une femme. Parce qu'on baise, on se déshumanise. Parce que j'ai envie de t'enculer qu'un gosse ceinture, je suis pas humaine. Bah, ça, c'est tout simplement que tu te respectes pas toi-même, donc tu peux pas respecter la société. Quoi. Je me respecte pas, pourquoi? Parce que les choses qui font du bien, c'est ne pas se respecter. Et Lydie, tu l'as déjà fait ou pas? Oui, je l'ai fait. Bon, très bien, laissez parler, vous vous téléphonerez pour ça. Laissez parler Patrice de Saint-Jean-de-Luz. Et Patrice, il faut que tu te rapproches de ton micro, puisqu'on t'entendait très bien au début, et ensuite on t'entend, enfin maintenant on t'entend un peu moins bien. C'est à toi donc. Ce que j'ai
j'ai toujours le même souci en fait avec mon PC, il faudrait vraiment que j'en change. Mais parce qu'il a, c'est vraiment très grégaire en fait, hein, les propos qu'il tient. Hein, c'est vraiment des propos d'un autre temps et on voit tout à fait. Des propos d'un autre temps, c'est des propos conservateurs. On voit tout à fait, ferme ta gueule. Je t'emmerde, mais tu me parles autrement toi, mais t'es malade toi mon gars. T'es malade de hurler comme ça toi, mais je vais t'enculer toi. C'est sur toi si je veux. Bah tu vas l'enculer maintenant. On va l'enculer, mais moi j'ai pas le droit de t'enculer. Mais tu prends pour qui? Tu prends pour qui, pauvre con? C'est facile d'être raciste contre un. Hein? C'est facile d'être raciste contre un, pauvre merde. Ferme ta bouche, bouffon, va fermer ta gueule, va manger tes mouches là. Mais ferme-la, t'as que ça à foutre de passer tes soirées à pour les Maurice là. Vous avez rien à foutre à parvenir à parler de merde. T'as pas de cerveau. Vous avez rien à foutre de vos soirées. Vous avez rien à foutre de vos soirées. Vous êtes des malades mentaux attardés. Pas comprendre notre pied. T'es un heureux toi dans la vie, ça se voit. Tu respires le bonheur. Ah, je suis heureux sauf avec les merdes comme toi, tu vois. Va te faire baiser, va te faire tourner dans tes caves et va devant ta fille si possible. Oh, très très bien. Pas chez moi, peut-être ton cul. Bon, très bien. En fait, Jessie, qu'est-ce qui te gêne? C'est que Lydie dise que. Ça m'énerve les gens comme ça qui disent n'importe quoi et qui, encore si elle avait l'audace de dire, bah voilà, il a une maladie, mais il a fait une erreur, il a dit des choses qu'il fallait pas dire. Non, t'as même pas le courage de dire ça. Toi, tu défends même pas les femmes. Mais Jessie, est-ce que tu me reçois? Tu me reçois, Jessie, ou pas? Si, comme il s'appelle, Alexandre de Strasbourg a envie de dire ça, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas le dire? Si c'est ce qu'il a envie de dire, qu'est-ce qui fait qu'il pourrait pas le dire? On est sur une radio, il y a un truc qui s'appelle le CSA, on ne dit pas ce qu'on veut à la radio, on ne dit pas n'importe quoi. Alors, et il y a des éthiques, il y a une éthique à avoir, il y a un respect à avoir vis-à-vis des autres. Jessie, en fait, ce travail, je le fais depuis déjà plusieurs années maintenant, donc je sais ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. En fait, ce qui te choque, c'est qu'ils disent quelque chose que toi, tu n'as pas envie d'entendre, par exemple, c'est ça? Non, c'est pas que j'ai pas envie d'entendre, c'est que c'est quoi le problème? C'est pas normal, c'est hideux, c'est répugnant. D'accord, c'est répugnant. Ça ne te plaît? J'étais avec des potes et tout le monde m'a dit la même chose. Je l'ai fait écouter à 15 personnes le podcast. D'accord. Et tout le monde m'a dit, mais c'est quoi cette radio? D'accord, malade, Jessie. D'accord, tout Jessie. D'accord avec moi. Mais en fait, donc tes amis et toi. C'est pour ça qu'il revient, en tes fait, amis et toi. Excuse-moi, pardonne-moi. Je suis en train de parler, Patrice. Je veux bien te raccrocher si jamais t'arrives pas à m'entendre. Parce que tu reviens, Jessie, j'appelle. J'ai pas du tout l'intention de me laisser marcher dessus. Donc maintenant, j'essaie de dire quelque chose, donc c'est pas à peine de me couper la parole. Moi, ce que je voudrais saisir dans ta démarche, c'est quoi? C'est que ce qui t'embête, c'est que les gens disent, alors aussi bien Alexandre que Lydie, disent ce qu'ils ont envie de dire. Et que ces choses qu'ils ont envie de dire, tu n'as pas envie de les entendre. C'est ce qui m'embête, c'est qu'on dit n'importe quoi, et qu'il n'y a pas de limite, en fait. Et dans la vie, il y a des limites. Il y a des choses à pas franchir, il y a des limites à pas franchir. Est-ce que toi, par exemple, tu as des limites ou pas? Moi, je me fixe des limites, tout le temps. Mais ce que tu et viens... Et j'ai toujours le souci du respect, le souci du bien-être. D'accord, Jessie. Mais est-ce que, Jessie, lorsque tu tiens les propos que tu viens de tenir à l'endroit de Lydie, là, tu es dans la limite, dans le respect, tout ça, quand tu lui dis toutes les insultes... Elle m'a provoqué. Donc si elle te provoque, là, tu peux ne plus avoir de limites. Mais à partir de là, donc toi, tu n'as plus de limite, c'est ça donc, c'est... Le déclencheur, ce qui te permet de ne plus avoir de limite, c'est de... Ça fait péter une durite, quoi. Ça fait péter... Et donc à ce moment-là, les propos hideux que tiennent les autres, là, tu peux les tenir à ce moment-là. Ah oui, parce que eux, ils tiennent des propos hideux en étant conscient, sans être énervé, en étant serein. Et moi, j'ai des propos exagérés, mais quand je m'énerve... Ce qui voudrait dire, Jessie, qu'on peut tenir des propos hideux à partir du moment où on est énervé. C'est ça? On peut sortir de ses gonds et se laisser aller. Et donc là, c'est possible. Je veux dire, à ce moment-là, là, c'est acceptable. C'est pas que c'est acceptable, c'est que c'est plus compréhensible qu'un mec qui est posé devant son canapé, qui dit des trucs normalement. Mais c'est compréhensible, Allô, excuse-moi. Qui est la personne qui le comprend, ça? C'est toi, c'est qui?
qui est la personne qui dit voilà, donc les propos hideux sont compréhensibles quand on est énervé. C'est qui dit ça, à part toi? Bah, y a des gens qui sont énervés, et quand ils sont énervés, ben voilà, ça déborde un peu. Et voilà. Non, mais ça, j'ai compris. Ça a dû t'arriver. Ça, je l'ai très bien compris. Allô, Jesse, ça, je l'ai compris. Mais je voudrais savoir qui a édicté cette lettre, cette règle-là. C'est qui? C'est pas une règle, c'est un constat que je fais moi par rapport aux gens qui sont énervés. Donc, le constat. Énervés, qu'on les pousse à bout. D'accord, le constat que tu fais. Est un constat qui nous fait comprendre que lorsque l'on est énervé, on peut tenir des propos hideux et injurier les gens. C'est là seulement qu'on peut le faire. Et un truc en plus, Maurice, c'est que je serai en face de lui, moi, est-ce que tu peux le laisser répondre, Lydie, c'est possible ou pas? T'inquiète pas, je ne vous oublie pas, je parle à Jesse. Je ne vous oublie pas, je vous ai laissé parler, donc voilà, je parle à Jesse. Tenez-vous, c'est bien. Alors, juste pour comprendre, Jessie, alors, c'est quand on est énervé qu'on peut tenir des propos hideux, mais pas quand on n'est pas énervé. C'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Ah, t'as dit quoi alors? J'ai dit, c'est plus compréhensible une personne qu'on a poussé à bout, qu'on a vraiment poussé, surtout quand on est à 6 contre 1, à vraiment pousser la personne, à dire, à l'insulter et tout ça. Et que la personne s'énerve et dise des choses qu'il ne pense pas forcément ou qu'il dise des choses un peu extra, voilà, et plutôt qu'une personne qui est serein, qui est posée, qui a le temps de réfléchir. D'accord, Jesse. Et qui dit n'importe quoi. J'ai compris, Jesse, mais qui dit ça? C'est qui dit ce que tu es en train de dire là, à part toi? Bah, les gens que je connais, ils me l'ont dit. Mais on les a pas entendus. Hein. C'est-à-dire que la seule personne qu'on ait entendu dire. C'est ce qu'on m'a appris. Hein. D'accord. La seule personne qu'on ait entendu dire ça là, ce soir, c'est toi. Et là, dans les gens qui peuvent parler, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 personnes en dehors de toi. 11 personnes en dehors de toi, puisque je fais partie des gens. 11 personnes, personne n'a fait le constat que tu fais, qui dit qu'on a le droit d'injurier les gens, les insulter, leur proposer des coups, les envoyer à l'hôpital quand on est énervé. Mais quand on n'est pas énervé, on ne peut pas le faire. Il n'y a que toi qui dis ça. Donc ça s'appelle, on a le droit de se défendre, mais on n'a pas le droit de dire n'importe quoi, d'attaquer gratuitement. Voilà, c'est ça que je dis. C'est-à-dire qu'on peut... On peut... Ouais, moi, je me suis défendu, c'est tout. D'accord, tu t'es défendu et là quand on se défend, on peut injurier les autres. Ok, c'était juste ce que j'avais envie d'entendre. On va écouter Guillaume à Angers, je vous prie. Ouais, moi quand j'écoute pas mal de personnes, je suis conforté dans mon idée de quitter un peu ce pays parce que je vois un peu une sorte de haine contre les musulmans qui n'est pas finalement imaginé par moi-même, mais qui est réel, enfin, en tout cas, qu'est-ce que je constate bien ici, quoi. Toute la soirée, on a des messages par mail, voilà, une Lydie qui vient ici, qui dit, voilà, moi, les prières dans la rue sont interdites, ils devraient renvoyer les CRS, par contre, les putes... J'ai jamais dit les CRS, hein. Ça, c'est pas vrai, non, mais c'est pas des propos que j'ai tenus, je veux pas que tu dis... J'ai pas parlé CRS, moi, c'est pas moi. C'est la loi, c'est interdit dans la rue, c'est tout ce que voilà, j'ai dit. Voilà, donc t'as dit, toi tu condamnes ça parce que c'est interdit par loi, par contre les prostituées... Ouais, c'est la loi, moi je respecte la loi, Guillaume. Non, mais attends, t'as dit les prostituées sont libres de leur corps, elles sont pas libres de leur corps, c'est interdit de faire de la pute dans la rue, c'est pas autorisé en France. Donc me dis pas que les prières... Le racolage est interdit par la loi, mais pas la prostitution pour le moment. La prostitution n'a jamais été interdite. Si, je crois que maintenant... Peut-être maintenant. Ça se donnera à contrôler. Non, pas la prostitution, le racolage. Il y a des amendes qui ont été collées à des gars qui étaient... C'est-à-dire mais des amendes aux clients. Je crois qu'on punit... Il me semble qu'on punit le client, qu'on interdit le racolage, mais je ne sais pas si le sexe tarifé et pas encore dans un flou artistique, mais je vais regarder. Allez-y. De la prostitution par internet, alors on a le droit. Non, mais justement, on n'a pas le droit. Justement, les filles se cachent. Elles mettent masseuse, massage privé. Ouais, enfin, la prostitution n'est pas interdite.
À Toulouse, elles ont juste changé de rue, en fait. Hein. Je suis passé l'autre soir dans non, mais c'est rue, pas appliqué, la loi n'est pas appliquée, voilà, d'accord. Mais sauf que c'est pas aussi. Et heureusement qu'il y a des prostituées. Dans une émission, ils ont mis. Tous les pervers, ils violeraient des gens, des meufs, sinon, quoi. C'est pas cool, hein. Super, donc tu préfères envoyer des pervers chez des prostituées que. Mais une prostituée, elle fait ce qu'elle veut de son corps. Hey Guillaume, si on veut pas que les pervers puissent voir les prostituées... Pas toutes, Lydie. Pas toutes, Lydie. Je sais. Alors, pas celles qui sont sous, dans des réseaux avec des Mac, etc. Mais celles qui ont décidé de... Bah oui, de... Enfin, qui n'ont pas de boulot, que c'est leur seul moyen de survie, ou elles aiment ouais, ça. Ouais, mais ça, c'est les occasionnels, et c'est pas la majorité, Lydie. Non, mais même des escortes, peu importe, mais elles font ce qu'elles veulent de leur corps, du moment qu'il n'y a personne qui les force. Bon, je vous coupe deux secondes pour le dire et qu'on entende. La prostitution en France est dans une situation légale complexe. L'activité d'un homme ou d'une femme qui se prête physiquement contre rémunération à la satisfaction des plaisirs sexuels d'autrui n'est plus autorisée en maison close ou de tolérance sur le territoire français métropolitain depuis la loi de 46. D'un autre côté, la prostitution est dans une situation légale intermédiaire. Elle n'est pas sanctionnée par la loi pénale, mais elle constitue la condition préalable à divers délits de proxénétisme, de racolage actif et passif, également interdits par la loi. Le statut de la prostitution en France est donc légalement, et ceci en dehors de tout acte pénal relatif à l'exercice de celle-ci, celui d'une profession libérale interdite de toute publicité et de démarchage. Voilà. Donc la prostitution n'est pas interdite en France. Oui, bah, tu viens de dire que c'est flou et après tu dis que c'est pas interdit, donc ça va. Mais non, c'est que tu n'as pas écouté avec attention. Tu n'as pas écouté avec attention ce que je viens de dire. C'est-à-dire que. Tu as dit, il n'y a pas de racolage actif ou passif. Oui. Voilà. Mais le fait de pratiquer en fait l'amour tarifé n'est pas interdit par la loi française aujourd'hui. C'est-à-dire que. Pourtant, ils mettent des amendes aux clients. Alors, on met des amendes aux clients. On interdit les prostituées de racoler, etc. Mais on n'interdit pas une gonzesse de dire à un mec avec lequel elle est en train de... Je sais pas, ça a commencé. Tu me donneras un petit billet à la fin. Tu vois ? Ça, c'est pas interdit. Si jamais le mec, il rencontre une gonzesse, il passe un peu de temps avec elle, ils sont ensemble, t'es avec une fille, elle commence à te tripoter, elle te dit, tu me donneras 50 euros après, elle a le droit de le faire. Donc la prostitution n'est pas interdite. Par contre, elle n'a pas le droit de te dire « Viens mon coco, pour 50 euros, tu vas pouvoir me sodomiser. Ouais. » Il y a Babette qui soulève un truc sur le chat, là. Elle dit « Profession libérale, donc impôts. » Elle paye des impôts, les prostituées ? Oui, elle paye des impôts. Ouais. Ouais, je crois. Hein, ouais. Oui, la partie imposition est très carrée là-dessus. Elle paye des impôts, elle paye voilà. Donc c'est... Donc, on va laisser Guillaume avancer là-dessus. Mais donc, à retenir, la prostitution en France est dans le flou artistique, mais elle n'est pas interdite. Allez-y. Voilà, donc moi, une personne qui est choquée de voir quelqu'un qui est dans la rue, qui fait une prière et qui s'en fout d'une prostituée. Non, mais tu dis que c'est interdit, que c'est pas c'est n'importe interdit, quoi. C'est la loi, c'est non, tout. Mais... Guillaume, toi aussi, il faut que tu sois cohérent. Tu dis que la loi, elle est pas respectée, mais alors pour les prières de rue, elle est pas respectée. Parce que non, ça mais attends, attends, moi je suis contre les prières de rue aussi. Hein. Moi je suis contre les prières de rue, je sais pas pourquoi ils font ça. Voilà. D'accord. Moi je suis pas contre, mais c'est la loi qui dit non, donc je dis non. Tu vois ce que je veux dire ? Moi t'es contre alors, tu dis non, t'es contre. Non, je suis pas contre. Moi personnellement, ça me dérangerait pas, mais la loi, elle l'interdit, donc faut pas le faire. C'est comme ça que je pense, tu vois. On est là pour dire toute la vérité, toi tu sais pas pourquoi ils font ça, moi j'ai quand même une petite idée. Hein. Non mais c'est du militantisme, il l'a dit, comment il s'appelle, Julien, il a dit, ils ont pas de mosquée, ils galèrent à trouver des lieux de prière, des lieux de culte, donc ils font devant la mairie, je suis pas pour, tu vois, prier dans la rue ça sert à rien, déjà la prière normalement c'est dans un lieu qui est pur, tu vois, qui est calme, tu vois, la prière dans la rue c'est stupide, tu vas pas prier au milieu des voitures avec le bruit, avec les gens qui te matent, la prière c'est discret. Donc c'est stupide de faire ça, donc moi je suis d'accord, mais par contre je suis contre la prostitution, donc ça m'a un peu choqué. Et je voulais juste dire un truc vite fait, pour finir ma main, c'est... Il y a un truc qui m'énerve, c'est que les gens qui donnent en fait des leçons à l'Indonésie, quoi, les Français là, ou même Alexis de Christchurch là qui dit « Ouais, Indonésie c'est dangereux, tu vas là-bas, t'es inconscient ». Je tiens juste à dire que l'Indonésie a beaucoup moins d'attentats qu'en France. Donc il y a eu beaucoup plus de morts l'année dernière en France qu'en Indonésie.
Voilà, donc l'Indonésie, par exemple, moi si je vais dans le village là-bas, là, avec ma famille, ma belle famille, j'ai pas de chance de monter dans la voiture de mon beau-père qui sera bourré à la fin du repas de famille et qui m'enverra dans un arbre. Donc concrètement, si je vais en Indonésie, je n'ai pas plus de risque de mourir que ici en France. Donc les gens qui sont dans d'autres pays. Je veux juste te dire, apparemment, ils sont en train de lutter contre la prostitution en Indonésie. Ils veulent l'éradiquer d'ici 2019. Bah voilà, c'est un article France Info de 2016. Apparemment, il y a des quartiers qui se. Il y a des quartiers qui se transforment en quartiers de vice avec alcool, drogue, jeu d'argent, prostitution. Voilà. Donc tu vois, c'est comme dans tous les pays, quoi. Ça, non, c'est pas comme dans tous les pays. C'est des quartiers à la capitale. Moi, je te dis que dans le village, il n'y a pas de prostitution, il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien du tout. Bon, on va regarder ça. Je vais regarder ça plus précisément en ce qui concerne le statut des prières de rue. En vertu de l'article 10 de la déclaration des hommes et du citoyen, de l'homme et du citoyen, donc maintenant on ne peut plus dire ça comme ça d'ailleurs, l'homme et du citoyen de 1789, qui figure dans le préambule de la Constitution, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La prière de rue serait donc autorisée, sauf trouble à l'ordre public. Voilà. Donc elle n'est pas interdite en fait, en France non plus. Voilà, donc on n'a qu'à leur donner des lieux de prière et puis tout le monde sera content, quoi. Donc voilà, s'il vous plaît, faites attention, voilà, quand vous critiquez des pays comme ça, les pays n'ont pas de ressources à recevoir, c'est pas parce que c'est un pays qui est en Orient, qui est un peu plus pauvre que la France, que soi-disant c'est un pays dangereux, comme quoi les non-voyants n'auraient pas le droit de se rendre là-bas parce que c'est dangereux, etc. Non. Voilà, c'est un pays qui est tout à fait normal. Le Quai d'Orsay ne publie pas sur son site un avis défavorable ou une zone à risque pour partir là-bas. Donc moi je vais là-bas en toute sécurité et je dis à tout le monde, si vous voulez aller en Indonésie, n'écoutez pas, je sais pas quoi, Alexis ou Béranger, nanana. Vous pouvez aller en toute sécurité, vous arriverez à rien, quoi. Voilà. Il y a quelqu'un, pardonnez-moi, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, allô, qui va là, je te prie. Allô. Oui. Miguel, 39 ans de Petropolis, à Rio. Miguel, c'est à toi la main. Voyage. Je vous trouve un petit peu stressé, énervé, les amis. Je suis au Brésil depuis 5 ans et je trouve qu'ici c'est plus tranquille. Quoi. Les gens sont plus tranquilles. Hey guy, me all is alright here. You understand now? En fait, il parle portugais au Brésil. Hein, Il est anglais. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, je sais pas parler portugais. Bon, laisse-le parler au lieu de le couper pour faire ton truc en mauvais anglais, là. Allez-y. Ça fait plus de 5 ans que j'ai quitté la France et franchement, je suis pas déçu. Même si ici, c'est quand même un pays assez dangereux, faut faire attention. Mais c'est plus calme, quoi. Les gens sont plus cool, sont respectés plus qu'en France. En France, je trouve que les gens s'insultent, ne se respectent pas. Ici, chacun respecte la religion des autres. C'est pas comme en France. Ici, il y a beaucoup de religions, donc chacun respecte. Il n'y a aucun problème avec les musulmans en ce moment chez vous, quoi. Non, il y a chez pas de tension, les médias n'en parlent pas trop comme ils font chez nous là, à nous rabâcher toujours chez les nous, mêmes trucs. Personne respecte, chacun respecte les religions, quoi, que tu sois évangéliste ou catholique ou musulman, tout le monde se respecte parce que la religion c'est important. Mais qui a décrété que la religion c'était important? Bah lui, il a un point de vue. Non, les religieux. Enfin, je suis désolé, quoi. On peut très bien être spirituel sans avoir de religion. Et on n'a pas besoin de religion pour vivre. Non, mais il dit ce qu'il veut, il a une opinion. Pour lui, ça peut être important. Ouais. Pour lui, c'est lui qui décide si c'est important ou pas. Ouais. Chacun. Si t'as la haine contre les religions, ça n'a rien de... Alors le temps qu'on avance un peu, donc quelques infos sur l'Indonésie. Dans France Diplomatie. Il a rappelé que les voyages sont déconseillés dans plusieurs régions de ce pays, Papouasie, province de Papua et de Papua Barat, province de Sulawesi, centre, célèbre centre, et la province des Mollusques, en particulier la ville et l'île d'Ambon.
Une recrudescence d'actes de violence a été constatée en Papouasie, où une vingtaine de décès est à déplorer depuis la fin d'avril 2012, notamment le meurtre de 8 militaires et de 4 civils en février 2013. Les environs de la capitale provinciale Jayapura sont également concernés. Donc il y a un nombre de morts, etc. Célèbre la région de Poco, la ville de Sulawesi, a été durant le théâtre d'activités de petits groupes terroristes ciblant avant tout les services de police. Ces groupes ont été démantelés. Les îles du Nord, une réputée zone de transit pour les extrémistes musulmans en provenance des Philippines, des risques de banditisme, prise d'otages ne peuvent être exclus. La province des Mollusques, et particulièrement la ville et l'île d'Ambon, ont connu des violences religieuses importantes entre 1999 et 2002. En septembre 2011, les incidents ont causé la mort de 8 personnes et la destruction d'une centaine de maisons. La situation reste tendue entre communautés religieuses et peut potentiellement dégénérer en un affrontement. Moi, je ne te dis pas tout le reste. Après, c'est la province d'Aceh, je ne sais pas comment il faut le dire. Les violences ont encore lieu en 2009. Situation est maintenant calme. D'accord. Terrorisme, les attentats à la bombe perpétrés à Bali, Kuta, le 12 octobre 2002, 202 morts. 1er octobre 2005, 20 morts. Jakarta, 2004, 10 morts. 14 janvier 2016, 3 victimes occidentales, etc. Avertissement concernant la drogue. L'autorité indonésienne applique très strictement une. Bon, on sait, hein, puisqu'on a quelques Français qui sont là-bas. Donc voilà, c'est un pays dans lequel donc il y a les histoires de histoires d'alcool aussi là-bas. Donc c'est pas du tout le pays de liberté, de fraternité, de bonheur que tu nous vends, Guillaume. Hein. Oui, bien sûr. Mais il y a le Bataclan en France aussi. Hein. Vous avez peut-être oublié, mais il y a eu plus de morts que ça. Hein. Non, ça c'est gratos parce que si on s'intéresse à ta vie, il y a en plus le rival qui veut ta femme là, qui peut te faire des ennuis plus ou moins ouvertement. Mais ça, c'est des trucs privés, ça n'a rien à voir avec le pays, ça. C'est privé. On parle de danger, le danger est partout, hein. Pourquoi il ne viendrait pas de là aussi? Donc, moi, je dis que le danger, il est en France, il est pareil en France que là-bas, c'est tout. En France, il y a eu le Bataclan, il y a eu Nice, il y a eu des dizaines d'attentats l'année dernière. C'est pas plus dangereux là-bas qu'ici. Je pense que si, je pense que l'Indonésie, c'est plus dangereux que la France, vieux. Ça a l'air plus sulfureux quand même. Hein. C'est-à-dire que. Plus sulfureux, tu veux qu'on parle de la France, ce qui s'est passé? Nice, le Bataclan. Non, mais ça, c'est dernièrement ce qui s'est passé. Ça s'est passé dernièrement. Depuis avant ça, c'était beaucoup plus calme. Je pense que c'est plus. Honnêtement, je pense que c'est plus dangereux. Hein. Ouais, On t'entend pas très bien, Miguel. Ça marche pas bien, t'as. Non, c'est Patrice. C'est Patrice. Ah, pardon, je croyais que c'était Miguel. Bon, enfin voilà quoi. Donc, tu fais ce que tu veux, mais je pense que je pense Guillaume que ce n'est pas que tu as une fausse idée du pays dans lequel tu vas aller t'installer. Oui, bien sûr. Bah oui, tu penses que c'est un pays qui n'est pas, c'est un pays sévère en plus Mais moi, je suis pas un délinquant, hein, Maurice. J'ai rien à craindre. T'inquiète pas, je fume pas, je bois pas, tout va bien. Non mais on est bien. Non, mais... On peut toujours trouver un. T'inquiète pas. En fouillant bien, on trouve toujours un truc si on veut se débarrasser de quelqu'un. Par contre, Guillaume, j'ai juste besoin d'un éclaircissement. Tu nous parlais que les prières, faut que ça soit dans un endroit calme, un endroit pur, etc. Oui. Et quand ils vont tous à la mosquée, tu sais, pas à la mosquée, pardon, à la faire le pèlerinage. À la Mecque. Mais c'est le truc le plus dingue, un des trucs les plus dingues qui puisse exister. Non, mais c'est un lieu saint. C'est un lieu saint. Donc là, on peut, il y a du bruit, il y a tout ce que tu veux, mais là, ça marche. Ouais, mais c'est un lieu saint, c'est une prière collective dans le désert. C'est pas pareil que dans la rue en France avec les hydrocarbures et tout ça, ça n'a rien à voir. Je peux pas comparer les prières dans la Paris. C'est dans le désert voilà. Oui, mais c'est l'Arabie Saoudite, c'est un désert. Et la Mecque aussi, c'est au milieu d'un désert. Ouais, ah, vraiment. C'est au milieu d'un désert, mais c'est pas vraiment. La Mecque, c'est une ville, quoi. Oui, c'est une ville. C'est une vraie grande ville. Hein, c'est pas. Et puis ils sont pas venus en Boris, je vais devoir vous laisser. Ouais, allez, bonne nuit. Quel dommage, Patrice, bonne nuit. Nicolas, 35 ans, de Nice, dans ma boîte Maurice, @mauriceradiolibre.com. Question pour Jessie, pourquoi appelles-tu une radio où tu trouves que les intervenants sont débiles et perdent leur temps tous les soirs? Désolé, mais je ne comprends pas ta démarche. Donc, je te laisse préparer ta réponse. On va écouter tout simplement pour dire qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce qui est dit et ce qui est fait. Voilà. Et je représente ceux qui sont pas d'accord.
D'accord. Enfin, je ne représente pas, mais en tout cas, je suis pas d'accord. Ah, très bien. Guillaume, tu voulais ajouter quelque chose ? Je crois qu'il y avait Miguel qui avait la main au Brésil, non ? Non, non, je te demande. Mais sinon, non. Non, en fait, c'est moi qui parle. C'est moi qui m'occupe de l'émission, en fait. Oui, pardon. J'ai pas l'air comme ça parce que je suis le basané de la bande. On a l'impression que je suis au ménage, mais pas du tout, en fait. Non, c'est pas ça, mais le gars appelle de loin. Je me disais, voilà, il avait la main. Juste... Très bien. On va écouter. Balai, Maurice, on va écouter. Ouais, non, je passe pas le balai du tout. Si jamais j'attrape un manche à balai, vaut mieux partir en courant. On va donner la main à Julien, à Saint-Goignier. Je sais pas pourquoi je veux dire Saint, moi. À Saint-Goignier. Vas-y, Julien. Ouais, moi, je vais changer de sujet. Enfin, j'ai juste une question pour Jesse. Tu me réponds si tu veux. Enfin, je... Mais tu es de quelle obédience ? De quoi, enfin, quelle obédience ? Tu es de quelle religion ? Chrétienne. Ah ouais. Ouh là là. Vous voyez qu'il n'y a pas que les musulmans, hein, sans violence. Bon, enfin bref, moi je voulais parler d'un autre sujet, en fait. Je me pose une question, enfin j'ai deux sujets, mais je vais en aborder un d'abord. Je me pose une question, en fait, au niveau de la drogue qui rentre en France. Il y a une drogue qui fait des ravages aux États-Unis qui s'appelle le cristal meth, en fait, la méthamphétamine. Et qui fait des ravages, qui coûte pas cher, une drogue à laquelle tu tombes accro à la première prise. Enfin bon, ils se font un pognon monstre sur cette drogue aux États-Unis. Ça rend les gens complètement fous. Enfin bon, c'est un vrai fléau. Et c'est une drogue qui coûte pas cher à fabriquer, qu'on peut fabriquer n'importe où. Et cette drogue, c'est même arrivé en Polynésie. On m'en a demandé en Polynésie. Moi, je savais même pas ce que c'était, quoi. Donc là-bas, ils savent ce que c'est. Il y en a partout. Mais en France, c'est jamais arrivé, quoi. Donc ça et le crack, il y en a pas en France non plus, quoi. Donc qui décide qui arrive, quoi ? C'est le fléau au Brésil. Il y a beaucoup de crack ici. Ouais, bah voilà, dans plein de pays, c'est un vrai fléau. Et en France, il n'y en a pas, quoi. Donc, les gens... Bah, est-ce que... C'est terrible ce que je veux dire, mais est-ce que c'est vraiment un fléau ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y en a certains qui vont pas se dire, finalement, c'est un moyen de s'en débarrasser. Si on les fait mourir, bah, du coup, il n'y a plus de trafic, quoi. Mais non, parce qu'il y a des gens qui tombent dedans chaque année, des nouveaux jeunes. Une soirée, tu peux te dire, je ne vais jamais en prendre et tout. Puis dans une soirée, tu as un peu bu, un pote te propose, tout ça. Tu as moins de défense pour dire non. Mais la drogue dont tu parles, les mecs, ils meurent en trois prises, quoi. Enfin, je veux dire, c'est non, un peu thérapie. Non. J'ai vu des gars, ça fait des années qu'ils en prennent. C'est des déchets humains. Ils n'ont plus de dents, ils sont tout maigres. Ils ont c'est des boutons partout. C'est où ça, Julien ? Parce que je crois qu'au... Au Brésil, il y a pareil, hein, mais au Brésil, dans plein de pays. Au Brésil aussi, j'ai vu un reportage aussi là-dessus. Breaking Bad, la série, là, ça fait l'apologie de cette drogue, en fait, quand même. Ah ouais. Les mecs, ils deviennent fous. Le mec, il fabrique du crystal meth dans son camping-car pour se faire de la thune pour payer son cancer, quoi, pour payer la. Mais c'est quoi ? C'est une drogue dure, une drogue de synthèse ? Ah ouais, c'est une drogue de synthèse, en fait, et extrêmement dure, quoi. Tu tombes accro à la première ou deuxième prise, quoi. Ouais, au bout de 10 minutes, t'es obligé de reconsommer toutes les 10 minutes. Et les gens, du coup, il y a beaucoup de criminalité parce que les gens, ils font des trucs pas sympas. Les gens, ils revendent tout leur bien, là. En fait, oui. J'en parle parce que ce week-end, j'ai rencontré un pote, là, qui prend de la cocaïne et... Il a base en fait pour la transformer en crack. C'est ce que je fumais moi à une époque, Julien. Je prenais ça quand j'ai décroché de ça, j'ai eu vraiment du mal. Hein. J'ai fait une dépression. Le crack, t'en trouves dans plein de pays pas cher, et en France, t'en trouves pas, quoi. Tu peux en trouver occasionnellement par un dealer qui va s'en faire. Voilà, mais tu le fais toi-même, quoi. En France, c'est pas une drogue. Je peux même vous donner la recette, mais je le ferai pas. Non, moi non plus, mais on n'est pas là pour ça. Mais pourquoi certaines drogues arrivent en France et pas d'autres ? Genre, alors moi, je veux pas... Pourquoi il y en a qu'un ? Bah, tant mieux, c'est que les douanes sont efficaces. Bien sûr, tant mieux, mais c'est pas une question des douanes. Ça se fabrique sur place, dans un camping-car. Bah, en fait, pourquoi... Les douanes sont hyper vigilantes sur les drogues. Tu verrais, toutes les,
tous les, enfin, aux aéroports et tout ça, tout ce qui est fouillé, le coup d'œil dans mais Lydie, j'ai commandé de la cocaïne sur internet, je me la suis faite livrer par la poste, donc faut arrêter. Après, il y a peut-être des drogues qui sont plus populaires que d'autres. Hein. Sur le darknet, tu trouves tout, hein, Julien. Je sais, c'est là que j'ai commandé. Donc ça marche par la poste, ils peuvent pas contrôler les milliers de colis. Qui va arrêter. Donc lui, c'est Julien de Sangouanier, c'est ça? Ouais, bah j'assume, je suis un drogué, moi j'aime la cam. Moi c'est pour ça que je t'ai fui à une époque, bien. Lydie, j'aimerais avoir votre regard parce que vous connaissez bien le monde de la drogue. Qu'est-ce que vous pensez des salles de shoot? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Non mais laisse parler, attends, tu feras l'interview après. Tu feras l'interview après. J'aimerais bien qu'on entende Julien et après qu'on passe, qu'on écoute Alban à Mons en Belgique. Voilà, mais je voulais juste avoir, je me pose la question de savoir pourquoi certaines drogues passent les douanes, comme le cannabis, l'héroïne, le LSD. Je sais pas, t'as l'air de dire que ça se fabrique sur place, donc ça a pas besoin de passer la douane. En plus, donc non, mais peut-être que peut-être que les vendeurs de produits se disent que s'ils tuent leur clientèle, il y aura plus personne, donc ils se disent bon, on va leur donner des trucs pour qu'ils durent un peu. Tu meurs pas, Maurice. Mais ah bon, je croyais que c'était l'homme humain, quoi. Mais tu dépenses tout ton pognon. Les gens, ils vendent leur voiture, ils vendent leur télé, leur PlayStation, leur maison. C'est bien vendu. Les gars, ils se font un max de blé avec ça. Les gens qui fournissent le pays en drogue pensent que ce n'est pas un bon produit. Ils ont fait des tests marketing et ils se sont dit que ce n'était pas un bon produit pour la France, peut-être. Je crois que c'est eux qui décident de ce qui rentre, de ce qui se fait, de ce qui se vend dans les rues. Tu dis que ça se fabrique sur place, donc ça ne rentre pas. Donc ceux qui dispensent de la drogue partout dans le pays doivent considérer que ce n'est pas un bon produit pour des raisons qui sont les leurs. C'est la raison pour laquelle ils la vendent pas ici, j'imagine. Parce que j'imagine que ce sont les mêmes qui la vendent ailleurs. Je pense pas que ça peut être décidé plus haut par des gens... Les Illuminati. Non, pas les Illuminati. Ceux qui vendent de la drogue dans le pays, les barons de la drogue du pays, sont eux qui décident de la drogue que l'on trouve dans les rues de France. Ce sont ces gens-là qui doivent décider que ce produit-là, faut pas. Tu vois, je vois pas qui d'autre, autrement. Ouais, mais moi, je trouve pas ça logique. C'est un truc, ça coûte pas cher, tu te fais grave de blé, c'est pas... Économiquement, c'est super viable, c'est pas que je veux que ça arrive, je comprends pas, quoi. Je me pose la question. Donc, il faudra, la prochaine fois que tu rencontreras ton dealer, tu demanderas pourquoi. Parce que c'est lui qui peut te répondre, Ah ok, je vous demanderai, je vous donnerai la réponse. Avec plaisir. La réponse qu'il m'a donnée, quoi. J'espère que cette réponse fera que ça va pas inonder les rues de notre même de nos villages, puisque manifestement. Non. On va écouter Alban à Mons en Belgique. Il va falloir peindre le plafond là, Alban. Hein. Il va falloir s'y mettre, vieux. Faut attaquer au rouleau là. Ouais. C'est un peu ça, t'as tout à fait raison, Bourdi. Écoute, j'ai entendu tout le débat là, le truc avec Jesse, avec tout ça. Moi, je voulais juste dire que ça fait 15 ans que je suis parti de la France en Belgique, alors je vais pas dire que c'est la panacée, mais c'est vrai que par rapport à ça, que ça soit la prostitution ou la drogue, parce que c'est quand même des sujets où, moi je trouve que notamment la Belgique, elle est quand même un petit peu plus en avance, par rapport à... que c'est notre mentalité par rapport à tout ça. Et franchement... Excuse-moi, juste une question. Le cannabis est légal chez vous? Non, il est... En fait, le cannabis en Belgique, il n'est pas légal. Il est toléré à partir du moment où c'est un danger pour la société. N'importe quoi. Ah, c'est bizarre. Je dis pas que t'as tort, mais c'est nul, quoi. Mais non, Lydie, je suis tout à fait d'accord, mais c'est la même chose que la prostitution en France, tu vois, avec des lois un petit peu bizarres, un petit peu tordues, comme ça. En Belgique, la prostitution, il y a même des maisons closes, non? Ah ouais, t'as des vitrines. En Belgique, c'est vachement... c'est assez libre, quand même,
Ah ouais, ouais, pour ça, c'est assez libre, en fait. Donc, mais on va pas te faire chier parce que ça te ferme de bœufs dans, voilà, dans le truc, quoi. Ouais. C'est, je veux dire, c'est, voilà, c'est une autre mentalité pour ça. Bon, maintenant, est-ce que c'est dommage, bien, hein, parce que... Moi, je connais, j'ai eu, parce que je n'ai plus, je ne fréquente plus ce milieu, mais j'ai eu beaucoup d'amis belges qui étaient toxicomanes, et même certains qui m'en envoyaient de Belgique, bref, de la CAM, et je trouve qu'il y a vraiment un nid à défonce là-bas, quoi. C'est... Ouais, il devrait y avoir des trucs de fait, à mon avis. Comment ça ? Aussi, mais déjà, la France, le cannabis est interdit, tu vois. Oh, mais ça va pas durer. Mais si, durer. Tu rigoles, jamais, on lâchera là-dessus, jamais. Et tout le monde fume, Lydie, en France. Tout le monde fume. Moi, je suis allé chez les gendarmes il y a 2 ans de ça, parce que j'avais consommé un joint, ils l'ont entendu dire, et j'ai avoué que j'avais consommé un joint. Vous savez ce que j'ai pris ? J'ai pris une amende en tout de 500 euros, avec 250 euros. Oui, j'ai pris une amende de 500 euros. En fait, par la police. Avec 250 euros donc, à régler pour le tribunal, frais de dossier, parce que je suis allée au tribunal, hein, je suis passée dans une salle avec tous les fumeurs de shit et tout ça. Et j'étais la seule à être fumeuse de shit, consommatrice de coke, d'héroïne, nanana. Enfin, j'en ai pris plein ma gueule. Et après, j'ai fait un stage de 2 jours à 250 euros avec des psys pour arrêter de. Enfin, ils ont parlé de défoncer et tout ça. Donc, ça t'a servi de leçon. Au palais judiciaire. Hein, après, ça t'a permis d'arrêter. Bah, j'ai arrêté il y a longtemps, oui. Et enfin, je me suis mis au Subutex. Et là, j'ai arrêté le Subutex il y a 2 ans. Et voilà. Enfin, c'est un peu sévère, quand même. Comment tu pouvais payer ? Même pas de quoi bouffer. Mais j'ai payé, j'avais pas le choix. J'ai fait 3. Alors, il y a la moitié que j'ai pas encore payé, je t'avoue. Il y a une somme que j'ai pas pu verser, 250 au tribunal. Mais par contre, quand j'ai fait le stage, pour faire le stage, il fallait être payé. C'était ça qui était le plus important. C'était de faire ce stage sur 2 jours avec des psys, 2 nanas. Et j'étais la seule fille et j'ai payé en plusieurs fois, en fait. J'ai fait des chèques, qui sont plusieurs fois. Moi, la dernière fois que je me suis fait arrêter avec 60 euros de shit, bah, ils l'ont balancé dans les poubelles. Ils m'ont dit. On va le mettre dans l'égout pour pas que vous nous accusiez de le récupérer après et de le fumer. Et ils t'ont passé dans merde Non, il me dit vous venez avec moi jusqu'aux égouts. Il l'a écrasé dans les égouts et il m'a dit maintenant cassez-vous, on veut plus vous voir. Quoi. Et voilà. Nous, ici, on a une politique de la ville et tout ça vachement plus ferme. Et même par rapport aux gens au RSA, si tu n'es pas actif, en fait, par rapport, je rejoins à la conversation de Maurice en début d'émission et d'hier, si tu n'es pas actif et que tu ne rends pas service à ta commune, tu ne perçois plus le RSA. Ah, je croyais que c'était que si tu chopais avec du shit à Chantilly, qu'au lieu de mettre le shit dans les égouts, que c'était toi qui mettais dans les égouts. Non, je n'étais pas encore là. On n'en est pas encore là, mais tout est prêt. Oui, mais je suis très contente, moi, parce que ça met des barrières, et c'est très bien. C'est ce qu'il me faut, c'est ce qu'il me fallait. Donc, les lois de Chantilly sont différentes des lois françaises pour le RSA ? Non, pas forcément, mais je pense que il y a un terreau, effectivement, moi, je suis assez fière de ce que je fais, et il y a un terreau, ouais, où les problèmes de la population, en fait, enfin, on a envie de vivre sainement ici. On vit bien, quoi, je veux dire. Et dès qu'il y a un souci, hop, il est réglé. Enfin, il est pris en main. Enfin, peut-être pas tout de suite, mais en 1 ou 2 ans, hop, c'est réglé, quoi. Et ça, c'est bien. Il faut savoir que c'est une ville très, très riche, Chantilly. Bourgeoise. Hein. C'est un truc de bourgeois, quoi. Bah, il y a des HLM aussi. Il y a plein de logements sociaux. Il y a plein de logements sociaux à la gare où j'habite. On reconnaît que c'est quand même une... Du coup, c'est une ville touristique parce qu'il y a le château et l'hippodrome et tout ça. Mais ils sont en train de faire le même système qu'un peu en Espagne en fait. Tu sais, des cannabis social club quoi. Des cannabis quoi ? Social club en fait. Des cannabis social club. Social club, wow. C'est à quoi des endroits dans lesquels les gens se rencontrent pour fumer du cannabis, c'est ça ? Oh là là, quel lieu. Donc c'est un lieu d'État, hein, c'est un truc. Donc ils vont faire un monde d'ailleurs, donc ça fait toute une chronique. Ah bon ? Je suis pas d'accord. Mais faire un truc d'État, donc tu t'inscris si tu veux, tu es dans un club. Et donc là, en tant que tel, tu peux fumer, Ouais, moi, à Barcelone, j'ai une carte, en fait, que j'ai payé 20 euros et j'ai le droit de commander jusqu'à 30 grammes d'herbe. Alors, normalement, c'est réservé aux Espagnols,
Mais sur certains sites, il y a certains trucs comme ça, Social Club, là, qui te disent « Ouais, si t'es français, que tu nous envoies un mail avant, tu préviens à quelle heure t'arrives avec ton prénom et tout ça, on t'ouvre la porte et puis tu peux venir, tu payes ta cotisation. » Donc voilà, c'est sur les Ramblas, en fait, ça s'appelle El Dragon, je crois. Un truc comme bon, ça. C'est bon, on va pas faire toute la promo complète, merci. Non, c'est pas pour faire la promo. Mais là, ça l'a fait. Fois, merci, Julien. On va écouter Kader à 3, je vous prie. Oui. Je vais m'adresser à Miguel de Petropolis. Il est là. Oui, je suis là. Je voudrais que tu me renseignes sur la. Tu m'informes sur la situation du Brésil aujourd'hui, avec toutes les péripéties politiques qu'il y a eu là-bas. Quelle est la conséquence visible, ce que tu as pu ressentir depuis que tu es là-bas? Qu'est-ce que je ressens? C'est beaucoup de corruption. La politique est vraiment. C'est une politique sale, quoi. Et ils sont complices de tous les problèmes qu'il y a au Brésil, niveau drogue, favelas, tout. C'est un gros problème au Brésil. La pauvreté, il y a trop d'écart entre les riches et les pauvres. Et il y a à Rio, tu as au moins 50% de personnes qui vivent dans les favelas. C'est énorme. C'est énorme. Donc tout ce qui nous a été dit, nous en France, l'embellie du Brésil après Lula et la succès... Ça, c'est ce qu'on veut faire croire aux touristes, on prend. Mais c'est bien différent. Il y a le Brésil pour les touristes et le Brésil quand tu vis. C'est différent. C'est totalement différent. C'est les Jeux Olympiques qu'il y avait eu il n'y a pas longtemps ou la Coupe du Monde? Oui, c'était les JO et il n'y a pas eu d'amélioration. Il n'y a pas eu de changement avec ça? Il n'y a pas eu de changement du tout, non. Ah, pas eu de changement, ça n'a rien apporté au pays. Au contraire. Ça a dû rapporter des millions, quoi. Pas autant que ça. Il y a eu la crise là. On est passé de 4% de chômage jusqu'à 13-14%. C'est énorme. Ah ouais. Putain. C'est énorme. Et les Jeux Olympiques, ça a pas arrangé la situation du pays. C'est passé à chez vous là en France que ça a été acheté quoi, les JO quoi. Ouais. Pourquoi tu restes là-bas? Qu'est-ce qui te plaît là-bas? Pourquoi je reste là-bas? Parce que j'ai ma femme qui est là, qui est brésilienne, et puis je sais pas, je me sens mieux ici. Je me sens mieux. Les gens sont plus sympas. Tu habites où au Brésil, excuse-moi? J'habite à Petropolis, c'est à... Ah oui, Petropolis, je connais pas. Une heure de Rio. J'ai choisi d'aller dans une ville parce que c'est plus calme. Rio, c'est un peu la guerre des... C'est un peu chaud, quoi. Comment est observé, Miguel, la France du Brésil? Comment elle est... Ils savent même pas qu'on existe. si, pour vous, pour les Brésiliens, la France, c'est merveilleux. C'est la richesse, c'est tout ce qu'il y a de bien, quoi. C'est l'argent, c'est Paris, la Tour Eiffel. Il paraît qu'au Brésil, les favelas, ça commence à devenir touristique, etc. Que c'est beaucoup mieux, que ça devient bien, etc. Il y a des films qui se tournent là-bas. Des favelas touristiques, c'est des briques, des tôles, c'est pas vraiment. Ça commence à devenir à la mode. Les Brésiliens. Je trouve ça bizarre que les étrangers sont intéressés par visiter les favelas. Vous avez peut-être vu Madonna qui était venue il n'y a pas longtemps là. Ça fait un peu zoo quoi d'aller visiter ça. C'est un peu déplacé je trouve. C'est un habitat particulier. Un peu spécial. Moi je trouve pas ça scandaleux que les gens aient envie d'aller voir ce dont on nous a toujours parlé. Les favelas du Brésil.
Les favelas du Brésil, on nous en a plus parlé que du reste du Brésil. On sait pas, on sait très peu de choses à propos du Brésil. Donc bon, le mec qui prend l'avion, qui va dans cette zone du monde, je comprends qu'il aille au truc là, au ding 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 ding, le truc de Rio là, le carnaval de Rio, et qu'il ait envie d'aller voir les favelas, de voir à quoi ça ressemble, de se faire une idée par lui-même. Que ça, enfin, ça me paraît logique, quoi. Mais après, ils ont essayé d'améliorer les bâtiments des favelas, les couleurs, alors tout ça. Il y a la favela la plus connue, c'est la Rocinha. Je sais pas si vous avez entendu parler. C'est une très grande favela. En ce moment, ça craint, quoi. En ce moment, on peut pas y aller. Les trafiquants de drogue. Donc c'est ça le problème. Dans les JO, on a essayé de d'endormir la chose, et puis là, ça devient chaud, quoi. Mais est-ce que tu es en sécurité dans la ville où tu habites? Dans la ville où j'habite, je suis en sécurité, je me sens bien, oui. Mais à Rio, j'ai été pour le jour de l'an, là, au réveillon, et là, j'étais pas vraiment en sécurité. J'étais vraiment pas en sécurité. J'ai vu plein de touristes se faire voler leur téléphone portable. C'est des groupes de jeunes qui ont généralement 15-14 ans et qui volent les téléphones portables. Ah ouais, ça vaut 1000 euros un iPhone, quoi. Tu m'étonnes. Ouais, je te rassure, on a les mêmes ici. Ils vont dans le métro. Ils aiment bien des trousser les touristes chinois. On va écouter maintenant, regardez, Arnaud de la Ferté-Alais, s'il est encore avec nous, on nous reçoit, la Ferté-Alais. En Maurice, je fais un tennis. Ah, super, raconte-nous le match. Ouais, c'est ça, j'avais envie de faire 3-7. C'est à toi la main, Arnaud, donc, puisque tu es vaillant. Ouais, non, mais bon, moi j'écoute un peu, je coupe mon micro déjà pour déranger personne. Et je t'en remercie. J'écoute ce qui se dit, bon, je sais pas de quoi je pourrais réagir sur quoi. Bon, demain, je vais plutôt parler de moi, puisque je préfère parler de moi, en fait. Je peux te poser une question, Arnaud? Ouais, Lydie. J'aurais aimé savoir quel médicament tu prends, parce que j'ai entendu parler du baclofène pour l'alcool. Et c'était un truc, je m'intéresse beaucoup aux substituts de choses. Et ça, ou la e-cigarette et des choses comme ça, que Maurice, ça fait sourire Maurice. Et j'aurais aimé savoir, toi, on t'a donné quel médicament pour arrêter l'alcool, pour le substituer à l'alcool. J'en ai parlé hier et j'ai pas trop envie d'en reparler. Disons que j'ai la technique, j'ai la formule magique. Non, mais juste le nom du médicament, je voudrais aimer le connaître. Pour éventuellement en faire part. Non, Lydie. Je peux t'en proposer, Lydie, si tu veux. Écoute, le podcast d'hier, Lydie. C'est sûrement un benzodiazépine, Lydie. Moi, j'ai fait une question. Non, mais le fait, c'est pas du tout un benzodiazépine. Moi, on m'a traité au baclofène, il fallait que j'en prenne 19 par jour parce qu'il n'y avait pas d'autorisation de mise sur le marché à l'époque, juste en test, et donc il fallait, c'était à faible dosage, c'est un myorelaxant en fait, et les personnes qui en prenaient pour je ne sais plus quelle maladie se sont rendues compte, celles qui buvaient, que quand elles prenaient du baclofène, elles n'avaient plus envie de boire. Et donc, ils ont étendu les recherches. Moins de choses comme ça, c'est ça? Non, ça coupe envie de boire. À la base, que ça détériore les reins, hein, tout ça. Non, à la base, le baclofène, c'est un décontractant musculaire. Ouais, un myorelaxant. On est avec les pharmaciens d'émission, là, faut prendre des notes. Hein. Moi, j'adore, en plus, j'adore les médicaments. Enfin, les médicaments. J'adore. Il n'y a que dans cette émission que tu peux entendre quelqu'un dire ça. Il y a quelqu'un qui arrive. J'adore les médicaments. quelle puissance. Dès que j'ai un souci, j'adore connaître. Que ce soit des méthodes avec des médicaments ou des méthodes naturelles, tu vois, parce que j'ai des huiles essentielles aussi, tout ça. Je fais les médicaments. Je suis une vraie pharmacie ambulante, un vrai docteur. Ma mère, elle m'appelle docteur. Je te jure. Après, le père de Matt Pokora, maintenant, c'est j'adore les médicaments.
Je suis trop bien sur les médicaments, Maurice. Bon, si tu veux conseiller quelqu'un, Lydie, ça bien, ça la première chose ça. À faire, c'est de consulter un addictologue, quoi, quelqu'un qui est vraiment formé et pas un médecin généraliste qui va te filer des benzodiazépines avec lesquelles tu vas substituer l'alcool et tu vas t'habituer. Parce qu'il y a plein de contre-indications avec les benzos. Et en fait, quand c'est pour, c'est pour ça que je voulais savoir si Arnaud, il n'avait pas un traitement un peu, tu vois, genre un truc qui marche, un peu expérimental. Et voilà. Hier, je l'aurais noté sinon dans ma tête. Parce que je m'intéresse vachement aux médicaments. T'investis dans un vol pour aller au pôle Nord, t'es sur l'Arctique. Et tu marches juste équipé d'un bikini, tu vois, pendant une journée, enfin une heure. Non, c'est une idée, tu peux essayer un truc pratique qui est pas mal, qui est pas trop cher. Il y a un truc qui est pas trop cher que tu peux essayer. Ça s'appelle l'eau courante. Voilà, tu peux acheter ça. L'eau courante. L'eau courante. Ouais, au lieu de boire, tu bois de l'eau courante. Oui, c'est une bonne idée. Ça. Moi, j'en suis sorti, merci. C'était j'ai une proposition un peu saine. On va écouter Alexandre de Strasbourg, je vous prie. Moi, je prends pas de médicaments, Maurice. Mais tu devrais, par contre. On tous des cachets. Il les prend plus, je veux dire. Qui prend la traque Oui, c'était mon cachet. Arnaud de la Ferté-Alice, est-ce que tu es là ? Arnaud ? Oui, je suis là. Alexandre, tu mens. Je te trouve très, très triste, Arnaud. Voilà, je trouve que tu es différent. Je m'inquiète un petit peu sur ton état de santé, très sincèrement. Lui dis pas ça. Parce que tu vas lui rendre le moral à zéro là, Alexandre. Ah ouais. Parle pour toi, Sévac. On représente les handicapés, Arnaud, et il faut qu'on se serre les coudes. Tu représentes rien du tout. En fait, plus je te rappelle que tu mens puisque tu prends de la tarac et que tu nous l'as montré. Hein. La tarac sans question. Il se moque de nous. Hein. Bah, bizarrement, il n'entend pas ça. Hein. C'est quand même bizarre. Yann Davo, il est en train de te dire que tu prends de la tarac, vieux. Hein. Tu au cas où tu te rappelles plus. La tarac. C'est quoi de la tarac? Bah, ça le transforme. C'est ce qui fait que normalement, il est en Peugeot 206. Et quand il prend ça, il se met debout. Normalement, ce mec-là, quand il prend pas son Atarax, il est en bagnole, il est dans la rue, là-bas, il est en bas, il est garé. C'est Bécan, ça, Atarax, Maurice. Ouais, c'est dans Transformer, non, Atarax. C'est Atarax, bah, j'étais dans le couloir aussi. Il y a la dernière fois, c'était hier, en fait. C'était hier. Alors, j'étais dans le couloir, pour ceux qui ne sont pas initiés, Alexandre de Strasbourg... dont on voit le setup là, donc sa scène, l'endroit dans lequel il vit. Donc derrière, il y a le lit avec le même drap depuis plusieurs mois ou plusieurs années maintenant. Il y a des choses par terre, des linges, du papier, des saloperies. Et il a pour habitude d'aller se promener, alors plus ou moins vêtu, hein, on peut lire comme ça, Alexandre, dans les couloirs de l'immeuble dans lequel il habite pour écouter aux portes ce qui se passe un peu dans les maisons. Un peu chez les voisins. Hein. On peut le présenter comme ça, Alexandre, c'est très bien présenté, Maurice. Bon, écoute, là, Maurice, voilà. J'espère que tu vois qu'il évite le sujet quand même. Hein. Ouais. Quel sujet Je prends pas de médicaments et qu'il nous montre la tarax, après ça passe tout seul. Ouais, pour lui, la tarax, ça fait partie de son quotidien, c'est pas un médicament. C'est le petit déj. J'ai entendu 7 ou 8 fois des gens faire l'amour, donc j'avais l'impression. Je me masturbe. Donc ça c'est illégal. Hein, aussi, Alexandre, tu oublies de dire tu te masturbes dans ton jogging et tu craches dans ton jogging. Alors attention Guillaume, je crois pas que ce soit illégal de te balader dans le couloir de ton immeuble et d'écouter aux portes. Je suis pas sûr que ce soit illégal. Ah, quand même, attends, t'es sérieux Maurice ou pas ? Non, mais là on parle de loi, on parle pas de morale, on parle de loi. Je ne sais pas si la loi punit. Celui qui va là, écouter aux portes. Tu peux pas aller porter plainte si y a un mec à ta porte qui t'écoute et qui se masturbe en t'écoutant. Tu peux pas aller porter alors, plainte. Alors non, attends. Qui se masturbe en t'écoutant, c'est autre chose. Là, on parle simplement de ce qu'enfin, il nous a. Moi, il m'a pas dit qu'il se masturbait dans le couloir en écoutant. Moi, il l'a dit là. Moi aussi. Justement. Ah, tu t'es masturbé dans le couloir en écoutant les gens, Alexandre, c'est ça ?
Non. Ah. Il l'a dit dans une autre émission, en tout cas. Ça, c'est certain. Et c'était son signe de... Ah, parce que moi, j'ai la chance de ne pas l'avoir entendu. J'ai juste entendu dire... Alexandre nous dire qu'il écoutait aux portes de ses voisins, qu'il écoutait les gens faire l'amour, mais j'ai pas entendu dire qu'il se branlait dans le couloir. Il avait même dit qu'il mettait un jogging et qu'il se masturbait. Et il a fait une proposition sexuelle à sa voisine dans le couloir qui a eu peur. Ah oui, je l'ai dragué. Non, il a pas fait une proposition sexuelle, il a effrayé la môme, c'est tout. Mais alors donc, pour en revenir à l'histoire de la loi, je crois pas que la loi te punisse si tu écoutes aux portes de tes voisins pendant la nuit. Si tu ne détériores pas, si tu ne gênes pas, si tu ne crées pas de troubles à l'ordre public, je crois pas qu'il soit interdit d'écouter à la porte de ton voisin. Par contre, il doit être interdit de divulguer les informations que tu as entendues chez ton voisin. Ça, c'est interdit. Mais par contre, coller ton oreille à la porte pour écouter comment le voisin il met un coup à sa gonzesse, je crois pas que la loi l'interdise. Okay. Bah, moi, ça m'excite parce que j'ai déjà entendu dire j'adore les choses. Des choses en fait, c'est quand les gens font l'amour et qu'ils voient les coucher. C'est-à-dire que en fait. Rapproche-toi du micro parce qu'on comprend pas ce que tu dis. Il faudrait que notre copain Alban coupe son micro parce qu'il arrête pas de faire bouger son truc et que ça perturbe. Allez-y, Alexandre, donc on n'a pas entendu ce que tu viens de dire. Des fois je reste une demi-heure derrière une porte et j'attends l'évolution en fait de la soirée avant que les gens font l'amour en fait. C'est-à-dire que je fais toujours attention que les gens ne me surprennent pas. Bon, je connais chaque habitude de mes voisins. Je connais chaque habitude. Et c'est lequel tes préférés ? C'est lequel le couple Franchement, c'est un peu... je peux pas le dire parce que tu connais mon adresse. Je connais pas ton adresse. C'est confidentiel. C'est confidentiel. Non, mais je te demande pas les noms et prénoms. Il y avait une voisine au sixième que j'aimais beaucoup. Et en fait, elle est étudiante parce que les logements se renouvellent tous les 3-4 mois. Et il y a une étudiante allemande qui jouissait énormément. Et c'est vrai que j'entendais c'est hyper excitant d'entendre ça en fait. Comme et ça surtout... Non ça m'excite qu'il dit, hein. J'imagine ta tête, et puis ensuite je me masturbe, mais pas dans le couloir, je me masturbe chez moi, à mon domicile. Donc le plaisir simple d'Alexandre de Strasbourg. C'est vrai qu'après, les voisines me disent bonjour dans les escaliers, donc ça, elles savent pas que moi je sais en fait. Et j'ai une voisine en fait qui se touche toute seule en fait. Elle se touche. À chaque fois, elle descend du cinquième au premier et elle se touche en fait. Ah bon ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Elle se touche où ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Alors ma déduction est faite, c'est que en fait j'étais dans le couloir juste après qu'elle soit descendue. Et en fait, c'est hyper silencieux. Et j'entends. Comme ça. Attends, tu entends ça quoi quand elle descend l'escalier ? Non, quoi. En fait, quand elle est à l'intérieur de chez elle, donc elle est. En fait, de chez moi. Maurice, c'est pas vrai ce que tu dis. Excuse-moi, Alexandre, mais y a un truc, le secret de l'intimité de la résidence, ça existe aussi dans le droit ou pas ? Oui, mais je crois que tu n'as pas le droit de divulguer, mais rien ne t'empêche d'écouter. C'est la divulgation qui est interdite. Ah ouais, mais épier quelqu'un contre son gré, c'est pas... T'es au restaurant, t'entends ce qui se passe à la table d'à côté. Tu peux écouter, la loi t'interdit pas d'écouter ce qui se passe. La loi t'interdit de raconter ce que tu as entendu, de divulguer des informations personnelles. C'est au domicile. Oui, mais il n'est pas au domicile, il est à l'extérieur du domicile. Il rentre pas dans le domicile des gens. C'est pas comme s'il passait sa tête par la fenêtre. Là, il reste à l'extérieur du logement et il colle son oreille. Dans l'espace public, ouais. Maurice, tu voulais être ministre de la justice, c'est ça ? Non, mais il ne s'agit pas de ce que je décide, moi. Là, c'est la loi française, Thibault. Hein.
Non, Thibault, ouais, après, Alexandre, je pourrais voir la main 30 secondes, je voudrais dire un truc à Alexandre. Comme je suis la seule fille, voilà. Excusez-moi, c'est messieurs. Les qualités homme-fille, super. Enfin, bon. Bah, je suis la seule nana. Alexandre, je voulais savoir, est-ce que tu sais qu'il y a des filles qui ont des orgasmes, comment je peux dire ça, sans faire l'amour, en marchant dans la rue, la nana, d'un seul coup, elle jouit, quoi, tu vois? Est-ce que tu sais ça? C'est une maladie. Il y a des femmes qui jouissent tout le temps, quoi. Ouais, et ben j'ai il y a une petite dans mon quartier, enfin elle était très jeune et maintenant elle est maman tout ça, mais ça lui arrivait, tu vois, et j'étais choquée une fois, je l'ai vue et ça m'a fait peur. Bon, quoi. D'accord, maintenant maintenant ce que t'entends dans la dans l'appartement de la fille, elle peut peut-être faire du sport simplement, hein, si elle fait des pompes, elle fait comme ça, mais elle fait un geste de sport. Enfin, tu vois, ça veut pas forcément ouais, dire. Tu fais un tennis, Maurice. Tu le fais bien, Maurice. Hein. Non, mais quoi, quand tu fais du sport. Tu peux émettre des bruits qui ressemblent à ce que tu fais quand tu baises. Hein. Si t'es chez toi et que tu respires fort, alors des mecs comme Alexandre se disent que t'as la bite à la main, que t'es en train de faire un truc incroyable, alors que t'es juste avec tes haltères en train de faire du truc et que tu respires avec ton casque. Voilà. Hein. C'est pas. Parce que dans la réalité, il n'y a pas de grande différence entre. Le moment où tu te branles et le moment où tu prends des haltères, puisque dans tous les cas, c'est l'accélération de ton pouls qui fait que tu respires de façon régulière et plus soutenue, alors que manifestement, t'as pas de raison de le faire. Donc on pourrait très bien interpréter le moment où tu fais des haltères comme un moment où tu es en train de te branler, si on écoute derrière la porte. Ah mais là, Maurice, c'est pas intéressant, je suis désolé. Ah oui. Si il imagine que la nana fait du sport, ça va pas l'intéresser. Ouais, c'est pas rock'n'roll. Mais même si elle fait du sport, je sais pas pourquoi il irait écouter ce qu'elle fait. Hein. C'est pas. C'est non, mais on n'est pas en train de dire qu'il faut qu'il écoute. Là, je dis simplement que ce qu'il entend n'est pas forcément la fille qui se masturbe. Voilà. Vous avez l'air d'être choqué par les gens qui écoutent aux portes. Et pourquoi pas, mais quand vous êtes chez vous et que le voisin on entend ce qui se passe à travers le mur, bah, les gens ils écoutent et là ça vous choque plus, là ça va, ça passe. Non mais là c'est pas de ta faute, t'as pas le choix. Il y a une action d'aller dans le couloir et de se coller à toutes les portes de l'immeuble, c'est quand même un autre délire quoi. Les voisins baiser, se coller à la porte de tout je ne mets jamais de basket pour pas faire de bruit. Je rêve du jour, Alexandre, où il y a un gros monsieur qui va sortir à un moment donné quand tu vas t'éclater. Non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je sais pas, tu sors de chez toi, tu tombes sur Alexandre. Tu tombes sur Alexandre qui était en train d'écouter à ta porte. Qu'est-ce que tu veux faire? Bonjour, monsieur. Bonjour, pardon, excusez-moi. Faut, tu vois. Mais pourquoi tu satisfais pas Alexandre, je peux te poser une question. Pourquoi tu satisfais pas tes fantasmes via des sites internet, enfin des films de cul et tout ça au lieu d'emmerder les gens, quoi? N'empêche pas. Ça n'empêche pas l'autre. En fait, c'est pas des acteurs. Parce que le problème, c'est que mes voisins sont pas des acteurs. Alors que dans des films. Oui, c'est real life qui l'intéresse. Mais non, moi, je regarde amateurs, des sites avec des amateurs. Ouais, mais moi, j'aime bien ce côté, ce côté interdit, parce que les gens. Voyeur, hein, il aime bien le côté voyeur, c'est un dingue. Donc, ça surtout, ouais. Je suis très voyeur. Ouais, je suis très voyeur. C'est un driver, lui. Donc tu vas mater aux fenêtres aussi. Il a un affaire et tout. J'ai mes voisines qui se plantaient les salles en face de mon balcon. Hein. Voilà mon balcon. C'est-à-dire que mon balcon il est comme ça en fait. Voilà. Tu vois Maurice? Voilà. Attends, moi je vais mater là. Par dessous, merde. Là il y a le volet, qui est fermé. Sors le téléphone de mon soutien-gorge, je te mate. Et donc des quoi? Des fois, le volet, quand il est ouvert, en fait, mes voisines, j'avais une vue vraiment en face. Ça, c'est pas de ta faute encore. C'est pas le même délire, ça. C'est pas de ma faute. Et ma voisine du dessous, en dessous, elle avait, en fait, elle avait pas de rideau, mais le problème, c'est qu'elle fermait pas complètement ses volets. Et donc, quand il fait nuit, tu vois les lignes du volet, en fait.
Et vu qu'elle est... Ah, la voisine d'en dessous, comment t'arrives à voir les fenêtres de ta voisine d'en dessous? C'est... pense sur le... Un jour, il va tomber par la fenêtre. Moi, bon, ce qu'il nous a pas encore raconté, c'est toutes ces soirées qu'il passe allongé par terre sur le sol de son appartement pour essayer d'écouter ce qui se passe dans l'appart du dessous. Mais pourquoi tu participes pas à des tournages porno et tout ça? Ouais, mais par contre, qui est Michel? Ce qu'il nous a déjà raconté, pour ceux qui savent qu'il n'était pas là, c'est comment il avait des petits frissons lorsque le gosse de 10 ans sortait de la douche et qu'il était mal à l'aise. Ça, il nous l'a déjà raconté. Oh, ouais, mais il a pas dit ça comme ça. Tu répètes ça à chaque émission, Yann. Hein. Ah, voyons. Yann, tu radotes. Hein. C'est bien qu'il parle comme ça parce que je suppose qu'avec la voix qu'il utilise, elle doit tout entendre, donc maintenant, elle va prendre des précautions. Tu sais, non, et la voisine, en fait, elle était en dessous de en face de chez moi. Et bon, bah tout ça, voilà, ça a donc de me faire tourner la tête, sans parler de la voisine d'en face qui un jour a téléphoné toute nue sur le bord de son balcon. Et ça, ça je crois pas trop. Allez, il se construit aussi des petites histoires, hein. La voisine qui se masturbe, la fille qui est à poil chez elle. Il fait monter un peu. T'es dans un quartier de chaudasse, quoi. Il se raconte un petit peu des petites histoires lui-même. Je tiens à rappeler aux auditeurs qu'il y avait mon voisin en face qui était passé avec moi sur Maurice Tabulin et que nous avait appelé les Roudoudous de Strasbourg. Et mon voisin. Bah depuis, son voisin, il a découpé, il l'a mis dans une valise et il l'a jeté dans le Rhin. On n'a plus jamais entendu parler du voisin. Alexandre, je peux te poser une question. Alexandre, je peux te poser une question. Admettons ta voisine que tu vas scruter derrière la porte, en fait. Demain, tu la rencontres et puis elle te fait un grand sourire. Comment tu interprètes ça? Ah, c'est excitant, ça. Comme une avance. Laisse-le répondre, laisse-le répondre. Coupe ton micro, Lydie. Laisse-le répondre à la question. Bah, un grand sourire, je lui demanderai pourquoi elle me sourit, mais je... Non, t'as pas dit ça, ça t'a fait quelque chose, quand même. Ah bah, c'est sûr, hein, une femme que tu entends jouir et que tu sais comment elle est toute nue, en plus elle te fait un sourire, bah là, là... Mais c'est grave, t'as dit que tu considérais ça comme une avance. Il a dit qu'il considérait ça comme une avance. C'est quand même grave, quoi. C'est pas une avance. C'est lui qui se fait des films tout seul dans sa tête, quoi. Ouais, j'ai tendance à me faire des films, je l'avoue. Mais ça craint, quoi. Ouais, j'ai tendance à me faire des films. Je fais beaucoup de films. T'es déjà arrivé, Alexandre, de demander, par exemple, à cette voisine en particulier, ou une autre femme, d'ailleurs, je sais pas, du sel ou du sucre, ou une connerie comme ça? Ouais, absolument. Juste pour la voir, si elle prend sa douche, j'ai dit « Ah, excusez-moi de vous déranger, j'ai une... Est-ce que chez vous, il y a aussi un problème d'électricité? Parce que là, j'ai plus de lumière chez moi, en fait. » Ouais, c'est tout ça pour voir comment elle était, quoi. C'est tout ça juste pour la voir. Ouais, exact. Tu peux me donner l'adresse On va contacter la police de Strasbourg. T'as le droit de toquer à ta voisine pour lui dire « Ah, est-ce que vous avez aussi fait des... » Non, mais t'avouera, Alexandre, que c'est malsain. Sérieux, t'as un comportement malsain, tu vois. Tu dois l'avouer toi-même que t'as un problème avec ça. C'est peut-être malsain, mais t'es pas hors la loi. C'est peut-être malsain, mais t'es pas hors la loi. La fille en question, Alexandre. Sur la limite, hein. Tu lui apportes. Tu vas chercher. Attends, Yann. Tu vas chercher, je sais pas, du sel, une connerie comme ça. Et puis, il y a un truc qui te monte dans la tête quand il t'arrive de sortir. Là, apparemment, tu sors, c'est par des pulsions que tu sors. C'est quoi qui t'attire vers l'extérieur, comme ça, le soir? Quand je joue au poker, j'ai besoin de me changer les idées, donc je vais me tendre dans le couloir. Mais sinon, je le répète, c'est que moi, j'aime entendre les gens faire l'amour. Qu'est-ce qui fait que tu sors de chez toi à une heure en particulier pour aller écouter qu'est-ce qui fait ça? Parce que je sais que cette voisine ou l'autre se déshabille à cette heure-ci. Je sais que elle se déshabille. Comment tu sais ça? Parce qu'à force d'écouter. Je note les heures, les gens ont des habitudes. Voisine, par exemple, prend sa douche. Elle prend sa douche le dimanche soir à 21h30. Le dimanche soir, juste une fois par semaine? Entre 21h et 21h30, ça c'est une heure fixe. Donc je reste dans le couloir entre 21h et 21h30.
Et toi, un jour, tu vas faire une connerie, toi, en fait. T'as le droit de voir, t'as le droit de... Et alors, il est où le problème? Il est où le problème? T'as le droit d'être... C'est toi le problème en fait, c'est malsain, c'est amoral en fait. Un jour on va aller à la télé, on va voir les gars. Elle fait son amour avec son mec le vendredi soir entre 23h et minuit. Très souvent. Ouais, et la meuf attend, Alexandre, elle te reçoit par exemple, tu frappes à la porte et puis elle a une petite nuisette, un truc sexy. Comment tu réagis sur ce coup-là? Qu'est-ce qui peut se passer? Rien. Je vais lui dire qu'elle est belle. Et je vais m'excuser de la déranger, je vais essayer de la draguer. Je vais essayer qu'elle m'invite chez elle pour boire un verre. Sinon, sans plus, hein, je vais pas la violer, je vais pas l'agresser, c'est hors la loi. Donc, je veux dire, je suis pas un violeur ou un agresseur, hein, faut pas tout mélanger. J'aime voir, c'est un plaisir. Mais quelle réaction ça te procure de voir cette femme-là comme ça, physiquement, qu'est-ce qui se passe chez toi? Tu sais déjà le son qu'elle a quand elle fait l'amour, donc tu l'imagines faire l'amour. Je regarde s'il y a un téton qui pointe quand elle est en nuisette, ça oui, et je vais regarder ça. Attends, mais je comprends pas, mais elle est située où cette personne? Elle est en face, elle est où? La fille que tu vois en nuisette, je comprends pas. Si on toque en fait, si on toque chez elle. Kader m'a dit aussi. Ah oui, d'accord, donc là on est dans le fantasme, dans ce que tu te racontes. Non, mais il l'a déjà fait, moi, tu l'as fait une fois, deux fois, dix fois, ce truc-là? Ah, le coup de l'œuf, bah faut pas le faire dix fois, sinon la voisine elle va se dire, il est bizarre celui-là, il me demande dix fois neuf. Je l'ai fait une fois. Mais le problème, c'est que le sexe, ça se fait entre personnes consentantes, quoi, et là, il y a pas de consentement, quoi. Tu fais du sexe tout seul à l'insu de quelqu'un d'autre, c'est ça qui est bizarre. Ah ouais. Tu vois, normalement, ça se fait à... que tu le fasses à plusieurs, enfin tu fais ce que tu veux. Après, tu sais où elle habite, Alexandre, tu sais où elle travaille, cette femme-là? Ouais, je regarde sur Facebook, ouais, où est-ce qu'il bosse. Ouais. Hey, Facebook, hey. Tu sais, c'est comme tous les gens qui mettent leurs enfants sur Facebook, etc. Hein, bon, faut pas rêver après ce qui se passe. Bon, très bien. Donc, quand elle déménage, j'essaye aussi de les contacter, puis de les draguer, en fait. Bon, et en même temps, Maurice, hein. Je ne sais pas avant, il y avait toujours des histoires. Hein. Le petit Grégory n'était pas sur Facebook. Hein. Bon. Arrête. Oui, mais enfin, je pense que l'idée de mettre les petits-enfants en maillot de bain sur Facebook, au vu et au su de tous les gens un peu curieux. Ça crée des scènes, ça crée des rapports avec leurs mômes qui sont des rapports un peu curieux. Et puis en plus, si tu vas sur Facebook, tu arrives à savoir connaître le mec, sa gonzesse, ses enfants, où ils vont à l'école, ce qu'ils aiment, qui sont leurs amis, quand est-ce qu'ils vont chez eux, où ils partent en vacances. Enfin, je veux dire, il y a tout, il y a des photos, des choses. Et après, les gens s'énervent en disant oui, moi je veux ma vie privée, je sais pas quoi, je veux pas qu'on me surveille. Bon, c'est juste un peu particulier, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. On va écouter Lydie de Chantilly, je vous prie. Oh, j'ai un trou. Non, je rigole. Enfin, pour revenir sur Alexandre, j'ai envie de dire, il y a plein de gars qui sont comme lui, en fait, mais qui le disent pas. Il y a plein de gars qui font des trucs pas nets et qui le disent pas. Moi, on a quelqu'un qui assume ce qu'il fait, puis qui le dit, là. Et c'est vrai que ça nous met bien en face de la réalité par rapport aux nanas. C'est un peu effrayant parce que, du coup, moi, je suis en train de m'imaginer, là... dans mon immeuble, ou... Et c'est vrai qu'une fois, j'ai ouvert la porte un été en nuisette et je me suis fait agresser par un mec du PS qui me livrait. Et le mec, il m'a sauté dessus, quoi. Du donc, PS socialiste? Non, les livraisons, tu sais. Ah, et, ouais. Ah, et du le mec, PS il m'a sauté dessus, qu'est-ce que je comprenais fais, pas, je comprenais pas. C'était l'été. Je comprenais que c'était un mec du PS, du Parti Socialiste. Et pourquoi les mecs du Parti Socialiste ils font des livraisons, il faut que tu sois sûr d'avoir été comprise, Lydie, hein, parce qu'autrement tu... Oui, oui. Hein, faut garder les oreilles ouvertes, hein, parce que... C'était des SK, non? C'est ça. Non, mais c'était il avait... livré c'est par vrai un mec du peur, PS. En plus, il était en robe de chambre, oui, tu... non, mais il avait... Je il sais avait qui c'est son costume de debout. Il avait son costume de boulot, et moi, il transpirait. Et c'est vrai que le gars, je lui ai offert un verre de menthe fraîche.
Et je lui ai dit, c'était l'été, il faisait super chaud. Menthe fraîche et gingembre. Après, elle est passée devant lui, elle a mis sa nuisette très très courte, elle était sans culotte et elle s'est penchée. Et elle s'est dit, vous voulez une petite menthe fraîche? Forcément. Tu es en nuisette, tu lui offres une menthe fraîche? Oui, enfin en nuisette, je me comprends, en robe d'intérieur chez moi, tu vois. Enfin, pas de soutif, pas de soutif, pas de culotte. Voilà, pas de soutif, culotte. Ah, culotte quand même. Et voilà. Là, est-ce que tu t'es penché pour ramasser les papiers que t'avais laissés par terre ou pas? Mais c'était en toute gentillesse, tu vois, le mec il est en nage. Et tu vois, il était en nage, je vois des gouttes qui tremblent. Alors je lui dis, vous avez chaud? Il me dit oui. J'ai dit, bah attendez, je vais vous chercher un verre de menthe fraîche, je viens d'en faire. Et donc je lui propose, je lui offre. Et il m'a attrapé le long du mur. Il m'a attrapé le long du mur, il m'a claqué et je le repoussais et il continuait. Oh, enfin, ça a lutté. J'ai lutté. Attends, mais ce que je comprends pas, c'est quoi ces livraisons? Attends, c'est quoi ces livraisons du PS où le mec il rentre chez toi, et il reste, je sais pas combien de temps. Ah non, il est pas resté, c'était juste à l'entrée de ma maison quoi. Donc là, tu l'as fait rentrer. Vers là-bas. Non mais pour qu'il te plaque contre le mur, ça veut dire qu'à un moment vous étiez tous les deux près du mur. Non, tu l'as fait rentrer Non, c'est pas très grand, Maurice, quoi. L'entrée, ça fait 1 mètre sur 1 mètre, tu vois. Enfin... D'accord, mais tu l'as fait rentrer dans ton logement. Ah oui, quand je lui ai donné le verre d'eau, il est rentré, enfin, il est rentré, quoi. Ah bah, disons... Là, il était chez moi, effectivement, et plaqué contre le mur du couloir, et voilà. Tu l'as signalé? Non. C'est une agression, Lydia. Hein. Ouais, mais je sais. Après, j'étais pas bien. Hein, mais plus jamais j'ai à rappeler cette société. Qu'est-ce qui a fait qu'il a arrêté alors? Ben c'est moi. Enfin, au bout de, je lui dis mais arrête quoi. Tu vois pas que c'est pas possible. Je veux pas. Enfin, vous êtes. Enfin, t'es là pour me livrer et je. Enfin, ça va pas quoi. Enfin, et j'ai plusieurs fois il a pas compris. Et à un moment donné, je me suis fâchée quoi. Parce qu'au début, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Donc j'étais sous le coup de. Bah, j'étais saisie quoi, je savais pas ce qui m'arrivait. Alors, Donc il a arrêté. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il est parti et voilà quoi. Et moi j'étais pas bien. Et tu vas pas donner un coup de pied dans les couilles? Non, je l'ai insulté et à la fin je lui gueulais dessus quoi. Mais la société. Non, je l'ai pas signalé. Non, bah je me suis dit ça se reproduira pas, plus jamais j'appelle UPS. Mais c'est vrai que ça. Non, peut-être que plus jamais tu sers un verre de menthe au mec du PS. Peut-être que c'est ça le problème, non? Ouais, et ben tu sais, Maurice, je continue de me faire. C'est-à-dire que peut-être, Lydie, que de te mettre en nuisette pour recevoir le mec du PS et de le retenir en lui offrant un verre de menthe fraîche que tu viens de préparer en le faisant rentrer dans ton appartement, peut-être que ce sont des éléments aussi qui peuvent constituer si le mec est un peu dingue. Non, mais ça m'a servi de leçon, Maurice. Maintenant, je me fais livrer, je peux dire que par deux sociétés et je peux dire que les gars, ils rentrent pas, quoi. Et je leur prends plus de menthe. T'as compris que c'était risqué quand même, que là, t'as eu un peu peur. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ah ouais, il s'est senti en terrain conquis, en fait, comme une invitation. Et plus jamais maintenant. Maintenant, quand j'ouvre la porte, été comme hiver, je mets un truc sur moi. Tu dois pas te dire ça, Lydie. Je suis chez moi, j'ai rien fait de mal, quoi. Non mais c'est lui qui est pas normal. Non mais bien sûr que le mec n'est pas normal, mais t'es pas là pour essayer de faire des statistiques sur les gens. T'essaies de pas te mettre en danger. C'est comme si tu disais, oui, c'est le mec qui est pas normal, c'est le mec qui sort un couteau pour me prendre ma carte bleue quand je suis devant lui en train de raconter mon code. Bah oui, c'est le mec qui mâche un truc, mais faut peut-être pas chercher la merde non plus, quoi. Si t'es une gonzesse, que t'es toute seule chez toi, que t'as un livreur que tu ne connais pas, donc qui vient chez toi, que tu reçois le mec en nuisette, et qu'en plus de ça, tu le retiens en lui proposant un verre de menthe fraîche que tu viens de préparer... C'était pas gentil, je pensais pas à autre chose, moi. Voilà. Mais je veux faire passer en risque. Et pareil pour les filles, faut pas qu'elles se baladent en jupe. Non, il ne faut pas. Alors, puisque tu veux que je fasse une règle, donc je vais la dire. Il ne faut pas que les filles qui ouvrent la porte à des livreurs en nuisette leur proposent des verres de menthe fraîche qu'elles viennent de préparer. Et c'est ça que je dis, moi. Il y aurait une technique de drague en direct. C'est vrai, mais c'était pas du tout dans ce sens-là. Hein. C'était mon côté maman un peu. Moi, je sais pas. T'es livreur de colis. Tu vas sonner chez une gonzesse. La gonzesse, elle est en nuisette. Bonjour, madame. T'es un peu gêné.
faut signer ici. Elle te regarde, elle te dit ah, mais attendez, jeune homme, vous êtes tous. La gonzesse est en nuisette, quoi, je veux dire. Vous êtes tous suants, vous voulez un verre de menthe fraîche que je viens de préparer? T'es troublé quand même, tu vois. C'est-à-dire, si t'es pas un dingo, un agresseur qui va la plaquer contre le mur, t'es troublé, quoi. Tu te dis, tiens, elle me veut quelque chose, cette dame. Parce que. Ouais, mais je comprends que le mec a pu se dire ça, hein. À boire, en fait, c'est ça qu'elle veut. Et à quel moment elle dit j'ai envie de baiser dans l'histoire? Mais écoute, moi je suis un garçon. Si jamais il y a un, si jamais j'étais livreur et qu'il y avait un monsieur qui me disait bonjour, jeune homme qui me recevait en caleçon pour lui déposer le colis et qui me disait jeune homme, est-ce que vous voulez ou monsieur, est-ce que vous voulez un verre de menthe fraîche? Je lui dirais non, merci, je partirai en courant en me disant ah ouais, même si j'ai soif, oh là là, surtout si j'ai soif, parce que je me dirais qu'est-ce qu'il va foutre dans le verre, le mec là. Le mec il me reçoit en slip et il me propose un verre de menthe fraîche qu'il vient de préparer. C'est un truc, il a foutu un produit, je me retrouvais dans sa cave. Je dis non merci, ça va. Et puis tu vas boire dans ton camion. Est-ce qu'on peut être un peu sérieux? Le témoignage de Lydie, justement, il nous a pas dit quelle serait ta réaction si c'était une jeune fille en nuisette qui te proposait ça. Bah, si c'était une gonzesse, si j'étais livreur et que c'était une gonzesse en nuisette qui me proposait un truc comme ça, je me dirais c'est un traquenard, c'est un plan, elle veut quelque chose, et je lui dirais non merci madame, et je partirais en courant. Je partirai en courant. Non, puisque Lydie, elle voulait juste être gentille, donc c'est bien le témoignage. Mais non, mais c'est pas un monde de bisounours, ça marche pas dans le monde réel, ça. Pas faire ça. Bah, le mec, à la base, il venait livrer, et moi, j'ai voulu le. En gros, tu comprends que la gonzesse qui est en nuisette, qui te reçoit, qui. Bon, normalement, la fille, elle est en nuisette. Donc, on se dit, elle est en nuisette ou en petite robe légère. T'arrives pour la livrer. Donc, tu te dis. Elle n'a pas prévu de me recevoir, donc c'est un truc qui va se passer très vite. Mais la fille, elle te retient. Quand elle te dit, vous voulez boire un verre de menthe fraîche que je viens de préparer, elle te retient chez elle. Donc oui, mais elle ne l'a pas fait rentrer, Maurice. Ben si, elle l'a fait rentrer. Elle l'a fait, non seulement elle l'a fait rentrer, mais elle l'a fait attendre. Si jamais, alors, bon, on va le prendre autrement. Si ta cousine, ta sœur, ta maman, ta gonzesse te raconte une histoire comme celle de Lydie, fais comme Lydie fait maintenant. Dis-lui surtout, si le livreur vient sonner à la porte, mets-toi un vêtement, mets un vêtement sur toi, et ne le fais ça rapidement. Le mec, il te donne le colis, tu signes pour le truc, et tu refermes ta porte. Tu ne reçois pas le livreur en nuisette en lui disant ne bougez pas, je vais vous chercher à la cuisine un verre de menthe fraîche. Je veux dire, ça va pas, vous êtes dérangé, vous, hein. C'est... D'accord, non. Non mais t'as parfaitement raison et franchement ça m'a servi de leçon, quoi. Bah oui. Ce que tu dis, Maurice, c'est plein de bon sens, mais d'un autre côté t'as le témoignage de Lydie qui était innocente. Donc en fait le. Non mais ça ne veut rien dire, on est innocent. Il y a un moment, faut pas se chercher. Il ne faut pas se chercher d'ennui. Si t'es au distributeur de banque qui est en train de prendre du fric et qu'il y a un mec derrière toi qui te dit bonjour monsieur, comment ça va, alors tu peux dire ah oui mais c'est sans doute un dingo qui mâche un truc. À ce moment-là, tu récupères ton matos rapidement, tu lui dis ça va bien et tu bouges. Tu restes pas avec tes billets à la main, ta carte bleue, et dire mais oui mais ça va, oui vous comment ça va, avec en lui agitant tes billets dans le visage. T'es innocent là, quand tu fais ça, là-bas. Pourtant t'es innocent. Et puis même de toute manière tu travailles, t'es pas censé recevoir arriver chez quelqu'un qui est à moitié à poil, quoi. Enfin, je sais pas, moi je me dis j'ai pas réfléchi, tu vois, enfin. Franchement, ce qu'on dit en fait, ce qu'on dit aux gens en général, c'est n'ouvrez pas la porte en slip en sous-vêtements. Voilà, n'ouvrez pas la porte en sous-vêtements. Et si c'est passé quelque chose qui fait que vous ouvrez la porte en sous-vêtements, faites ça rapidement. Dites merci, au revoir, je vous signe le truc, bonne journée. Plaf, vous fermez la porte. Ouais. Mais tu dis pas au mec, vous voulez un verre de menthe fraîche? Je viens. D'un autre côté, ça justifie pas non plus le. Mais personne, il ne s'agit pas de justifier, c'est parce que t'es un barjo. Il ne s'agit pas de justifier l'attitude du mec, de l'agresseur. Il s'agit simplement de protéger celles et ceux qui écoutent maintenant, qui sont comme toi, manifestement, Yann Davon, qui se disent « Ah ben non, mais c'est normal, quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Mais, oui, elle est en soutien-gorge, elle lui propose un verre de menthe, c'est pas elle le truc, et le mec, il est méchant. Le but de ce qui peut se passer, c'est qu'elle se fasse agresser par le mec. Il ne faut pas faire ça.
Donc si vous avez des gens chez vous qui sont comme Yann Davon, qui disent eh « mais non, mais tu, ben enfin, mais comment ça se fait » Dites-leur surtout « n'ouvre pas la porte, voilà. » Tant pis, j'irai chercher le colis chez UPS demain. N'ouvre pas la porte, voilà. Enfin voilà. Bon allez, on va écouter, Miguel à... On va écouter, non, pardon, Jesse à Compiègne et ensuite Miguel et on fera les procédures de sortie. Oui, enfin bon, tout à l'heure, je me suis peut-être un peu trop énervé. C'était un peu trop dur de café, je reconnais, je vais pas renier non plus ce que j'ai dit par rapport à quand j'étais pas d'accord. Le fait que je ne sois pas d'accord, ça c'est une chose, mais après c'est la façon dont je l'ai dit qui est, bon bah voilà. Et là, tu parles à qui parles-tu? Par exemple à Lydie là. Par exemple. Parce que moi tu m'as pas, moi tu m'as pas dit tout, de trucs comme ça. Autrement je serais venu à Compiègne. Mais c'est en fait tu t'adresses à Lydie. C'est ça que tu. Ouais, c'était peut-être un peu trop. C'est tout en ton honneur, Jesse. Je t'excuse, non. Ouais, je m'excuse un peu quand même parce que franchement, j'ai dit des choses que je pensais pas et je veux pas que je veux pas lui couvrir. C'est gentil. C'est vraiment gentil, ça me touche. Et puis je sentais que t'étais pas un gars mauvais, mais c'est vrai que tes propos ont été. Ça fait flipper un peu. C'était un peu dur, c'est mais. Parce que j'ai essayé de. Mais je vois le mec, genre de mec que tu peux être. Après, après c'est vrai que. C'est vrai que moi, à l'âge que j'ai, tu vois, j'ai 47 ans. Et c'est vrai que pour moi, la liberté de parole est hyper importante. Donc, et surtout sur cette radio, moi, j'adore ce média. Donc voilà, et par contre, je suis touché quand quelqu'un comme toi vient de dire ce que tu viens de dire là, bah ça me touche. Voilà. Ah ouais, parce que t'as vécu, t'as eu des problèmes. Je suis pas un torchon, moi. Oui, je m'excuse aussi par rapport à toi, parce que je sais que t'as un handicap et je savais pas que t'avais un handicap. Je croyais que t'étais normal, enfin voilà. Et je savais pas que t'avais une maladie. Bah il est dingue, voilà, c'est tout. Mais je m'excuse de t'avoir jugé, de vous avoir jugé trop vite tous les deux, parce que je vous ai jugé trop vite. Et voilà, je me suis fié aux apparences, et puis en fait, quand tu grattes bien, il y a quand même une richesse derrière chacun, donc voilà. Donc quand je vous ai entendu parler, je me suis dit, ah ouais, en fait, quand même, c'est pas que des gens qui disent des trucs comme ça, et il y avait des choses intéressantes qui m'ont plu dans ce que vous avez dit, et donc voilà, quoi, le fait que tu te sois fait choper, Lydie, pour 500 grammes, pour 5 grammes de je sais pas quoi... Non, pour rien, j'ai juste dit que j'avais fumé, j'ai dit aux flics, non, mais moi, j'ai arrêté la défonce. Oui, mais je reconnais avoir fumé à cette époque-là. Cette époque, il m'a appelé dans une affaire pour témoigner contre un dealer, tu vois, en fait. C'est et je lui dis, oui, je reconnais, j'ai fumé du shit à cette époque-là. Et aussi, j'ai pris de la cam et tout ça. Et, la punition voilà. Était trop sévère, je trouve. Ah ouais, c'est clair. Beaucoup trop sévère. Il y a des gens qui ont fait pire que toi et qui auraient pu... Exactement. Mais quelque part, tu sais ce que je me suis dit, moi je suis super contente de vieillir parce que j'ai une sagesse de fou. Il y a la flic, quand elle m'a annoncé ça, je lui ai dit, c'est pas grave, c'est pour ça fait 25 ans que je me défonce, c'est pour toutes les fois où je me suis pas fait gauler. Okay. Et c'est très vrai bien. Que c'était pas si grave. Très bien, pour ta gouverne, Jesse, c'est lorsque on a eu un comportement comme ça, déplacé, donc cette fois-ci la formule est la bonne, on demande aux autres de nous pardonner ou de nous excuser, mais on ne vient pas en disant je m'excuse, parce que ça veut dire que c'est déjà fait, quoi. Donc c'est, Non, je dis pas que c'est déjà fait. Non, c'était pas du tout ce que je voulais dire. Je demande des excuses, justement, comme tu l'as dit. Mais Jesse, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue que tu connais pas, qui tient des propos comme peut tenir Alexandre ou Lydie, et que tu t'énerves, donc la personne, tu prends pas le temps de la connaître, est-ce que tu réagis comme tu dis, tu lui fous deux pains et tu l'envoies à l'hôpital? Ou est-ce que t'attends de mieux connaître la personne? Est-ce que tu te bats dans la vie, en fait? Ah non, pas du tout. Moi, j'ai dit ça comme ça parce que quand je suis énervé, j'ai pas le temps de réfléchir à ce que je dis et je dis un peu n'importe quoi, tu vois. Je regrette ce que je t'ai dit, Lydie. J'espère que tu me pardonneras. Maintenant, vous êtes tous sur ceci et pourquoi pas, mais proposer à Maurice une petite sodomie, vous allez voir comment il va réagir. Hein. Ouais, bah voilà. Et puis, donc, Maurice, il a rien dit. Je demande des excuses. Veuillez m'excuser. Wow, très bien. Voilà. Donc la dernière chose que je voulais dire, c'est que oui, au Brésil, ça va pas bien. Moi, j'ai quitté ce pays il y a 27 ans.
C'était déjà à l'époque c'était le quart monde, enfin c'était un, ça faisait partie des pays un peu pas le quart monde mais moyen quoi. Et je vois que ça a pas évolué beaucoup depuis. T'as quel âge, Jesse? J'ai 27 ans et je suis parti du Brésil en 90, donc Tu l'as pas connu? Ah ouais? Ouais, je l'ai connu 6 mois. Ça m'a suffi parce que j'étais dans la misère la plus totale et je me suis retrouvé dans une famille pas riche mais à peu près normale en France quoi. Et je suis pas, donc je reviens de loin et j'avais faim, je mangeais pas à ma faim et tout ça, je réclamais le biberon. Enfin, je vais pas vous raconter et tout, mais c'était pas une bonne expérience pour moi le Brésil, c'était l'enfer. Et là, je m'aperçois qu'en fait, ça a évolué un petit peu. Il y a des classes moyennes qui se développent et tout, mais c'est pas un pays ultra développé comme les États-Unis ou la France ou le. Ah. C'est corrompu. Il y a beaucoup de corruption. Le système de santé, il est, les hôpitaux, le service public, il en peut plus parce que tout le monde, il y a des queues de fous. D'après ce que j'ai entendu, si je dis pas de bêtises, il y a des queues de plusieurs, des heures et des heures. Il y a pas assez de moyens qui est mis en place et tout est saturé. Même le système éducatif, il est pas terrible. Et on peut pas le dire ce qu'on veut là-bas. Avant, moi j'ai dit ça parce que avant on pouvait pas. C'est pas qu'on pouvait pas, mais c'est. On a toujours pu dire ce qu'on veut au Brésil, c'est un pays libéral, mais il y a eu quand même une période de. Moi je disais ça parce qu'il y a une période de dictature, je crois, dans les années 80. Et moi je disais ça par rapport surtout aux dictatures qu'il y avait dans le monde. Je voulais faire un parallèle comme quoi dans tous les pays il y a eu des périodes où les gens ne disaient pas ce qu'ils voulaient et qu'on pouvait être sévèrement puni pour des simples faits de liberté de parole quoi. Ok, on va écouter Miguel, on part à Petrópolis au Brésil et ensuite on fera les procédures de sortie avec Yann Davon en ouverture. Allez-y Miguel. Alors, je voulais dire qu'au Brésil, si t'es étranger, tu peux pas parler de politique parce qu'on peut te mettre en prison. Donc, quand t'es étranger, tu peux rien dire, tu peux rien critiquer au niveau de la politique parce que si tu t'es dans une manifestation avec des Brésiliens et qu'on sait que t'es étranger, on te met en prison. Hein. Ah ouais, donc ouais. Y a pas de, pour l'étranger, t'as pas droit à la parole. Quoi. Tu peux pas. T'es venu ici, tu dois respecter les lois du pays. Bon, c'est à peu près d'un côté. Et moi, j'ai la nationalité, donc je peux parler. J'ai le droit de dire ce que je veux là-bas, comme j'ai la nationalité ou pas? Oui, comme tu as la nationalité, oui. Mais si tu es étranger, comme moi, moi, je suis français d'origine portugaise. Mais je n'ai pas la nationalité brésilienne, alors je peux pas dire ce que je pense. Quoi. Sinon, et tu peux l'avoir, tu vas l'avoir, la nationalité brésilienne, au bout d'un moment? Ou tu la demandes pas? Au bout de 5 ans, je peux la demander, ouais. Ouais, je peux demander. La nationalité brésilienne au bout de 5 ans. Je sais pas, je t'avoue, je sais pas. Parce que ça sert surtout quoi pour voter. Et voter pour des corrompus, ça m'intéresse pas. C'est la politique, ils sont tous dans le même sac, quoi. Tu vois, que ce soit le parti de PSD, PS. PT. Et ta femme, elle vote pas non plus? Si, elle vote. Mais bon, maintenant, elle vote blanc. Quoi. Ouais. Elle m'intéresse plus la politique. Elle est dégoûtée, quoi. Moi, j'ai une amende de 30 euros ou de 100 euros parce que j'ai pas fait mes papiers militaires et j'ai pas voté en temps et en heure pour le président de la République brésilien. Donc, je vais avoir une amende. Ah bon. Tu te retrouves du Brésil en France, ils vont te retrouver. C'est si je vais là-bas. Ouais. Mais tu comptes 30 réals ou 30 euros? On m'a dit que c'était un. Je sais plus exactement le prix, ça doit être 30 euros ou 100 euros ou 80 euros. Entre 30 et 100 euros, je crois, c'est le prix. Entre 30 et 100 euros, il y a un gros gap, hein, quand même. C'est pas pareil, payer 30 euros, payer 100 euros. Si le mec, il t'annonce 30 au début et qu'il te fait payer 100, tu vois, c'est pas pareil, quoi. C'est 3 fois le prix, quoi. T'as jamais été au consulat, hein. C'est problème, non? Si, j'y vais au consulat de temps en temps, enfin, de temps en temps, une fois par an.
pour pointer, quoi, pour pointer, et ils me disent, attention monsieur, cette année vous avez pas fait ça, il faudra en revenir, et puis c'est chiant parce que j'habite pas à côté de Paris, j'habite juste à côté de chez Lydie. Oui, c'est vrai. Et je t'ai déjà vu d'ailleurs, ça me dit. Vas-y. À Chantilly, t'habites pas vers le Coq Chantant, un truc comme ça. J'ai habité là-bas, mais j'habite de l'autre côté, maintenant j'habite près du lycée. Bon, on vous appellerait pour en parler. On va laisser Miguel terminer, putain, ensuite on va faire les procédures de sortie. Bon, bah alors c'était la première fois que je passais dans ta radio. Je repasserai, j'ai aimé. Et puis bon, bah à la prochaine. Hein. Merci. Bon, on n'est pas encore parti, Miguel. On va faire les conclusions, on va écouter la conclusion de Yann Davon, je vous prie. Jusqu'à quand je vais pas réussir à faire mes interviews, alors moi mes salles de shoot c'est passé à la trappe. Mon truc avec Kader sur le genre, en fait, l'anti-genre, alors ça c'est passé à la trappe aussi. C'est assez frustrant, mais quel bonheur d'être radio. Fais gaffe, parce que si je la monte, t'es pas sûr que tu passes dedans. Bonne soirée. Ok, allez, bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Guillaume d'Angers, je vous prie. Ouais, voilà, moi j'espère que je pourrai appeler quand je serai en Indonésie, parce que je défendrai toujours ce beau pays duquel je suis tombé amoureux, et voilà, j'aime pas trop quand... Voilà, l'image que la plupart des gens ont de ce pays, j'espère réussir à la faire changer, parce que voilà quoi, c'est un beau pays, j'aime pas trop quand les Français essaient de donner des leçons à qui que ce soit, en fait, à quel pays que ce soit. Donc, je te coupe juste une seconde pour faire un petit ajout. Et si d'aventure ton expérience indonésienne ne se passait pas comme tu veux, je te déconseille d'aller sur Internet ou dans le téléphone dire à tes correspondants que le pays est pourri, etc. Parce qu'il y a souvent des périodes où la sécurité intérieure des pays dans lesquels vivent les étrangers qui écoutent un peu ce qui se passe. Donc c'est vrai, c'est possible. D'ailleurs, là-bas en Indonésie, tu peux pas aller sur l'internet est bloqué, tu vois, tu peux pas aller sur les sites porno, tu peux pas aller sur plein de sites, il y a beaucoup de trucs bloqués, quoi. Dès que tu vas sur un truc comme ça, ils te redirigent vers un truc qui s'appelle Internet positif, et ils te donnent des sites, ils disent ouais, tiens, vous pourriez peut-être aller sur ce site-là, genre ils t'envoient sur un site de dessin animé ou sur un site d'actu. Ou, c'est sympa comme pays. Ouais, c'est écrit voilà, Internet positif, vous devriez plutôt aller sur ces sites-là, et ils te passent des liens qui pourraient t'intéresser. Plutôt que d'aller sur des sites comme ça. Et Internet donc, positif, c'est un Internet qui t'envoie aussi vers les trucs vers les trucs achetés, c'est ça Non, je crois pas que c'est acheté, mais je pense que c'est plutôt... Il n'y a pas de pub sur les sites Internet Non, c'est un truc du gouvernement, tu vois, c'est un truc officiel, directement, ils bloquent tous les sites et ils te renvoient sur ça, en fait. Ils te donnent des Il y a sites, YouTube Je sais pas, j'ai pas tout regardé, il faudrait que je revérifie après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de publicité sur Internet en Indonésie. Si, non, je parle pas de ça, je parle par exemple si tu veux... Non, mais moi, c'est moi qui en parle, c'est moi qui te pose une question. Ce que je te demande, c'est est-ce qu'il y a des publicités... Donc l'acte d'achat, c'est un acte positif. Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais en fait, c'est que quand tu vas sur un site pornographique, par exemple, il te redirige directement... Non, mais j'ai compris ce que tu as dit, Guillaume. J'ai compris ça, j'ai très bien compris. Ce qui est positif pour eux, c'est pas acheter, mais ce qui est positif pour eux, c'est aller voir les actus, un site sur la religion. Ils considèrent que soit tu vas sur un site... pornographique, c'est vraiment ça va te nuire, donc ils te donnent des propositions pour te dire voilà, va plutôt voir ça quoi. D'accord, et dans les choses qui sont donc accessibles en dehors du moment où on te redirige d'un site porno vers les sites dont tu parles, le reste, donc l'acte d'achat, le commerce, le marketing, font partie de l'internet positif. Ouais, bah après, c'est une question, je ne connais pas. Si c'est présent, j'ai déjà vu des pubs là-bas pour plein de trucs sur les sites où il y a aussi des spams, il y en a plein. Mais voilà, c'est juste pour dire ça. Donc oui, effectivement, je ferai attention, évidemment. Mais voilà, je suis pas trop paranoïaque non plus. J'ai un a priori positif envers le pays. J'étais bien accueilli, donc j'essaie d'y aller avec l'esprit positif, l'esprit ouvert. Et puis voilà, j'espère que ça se passera bien. J'espère que les prédictions de Maurice et de beaucoup d'auditeurs ne seront pas vérifiées. Moi aussi. Mais bon, si ça l'est, je donnerai le point. De toute façon, moi, je continuerai à venir intervenir quand je serai là-bas. Et c'est là de, voilà. Alors, j'espère me tromper, Guillaume. Hein. Vraiment, sincèrement. Quoi. Donc voilà, bah, en tout cas, bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Ok, non, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. Et ouais, je te souhaite du bien. Hein. On va écouter la conclusion de Alban de Mons, il est là ou pas?
Alban à Mons, il est où le mec? Bon. Il est. Il faisait plein de bruit tout à l'heure. Quand il a arrêté de faire du bruit, il est tombé par terre, je pense. La conclusion de Kader à 3. Oui, c'est assez extraordinaire comme émission, quoi. Hein. C'est un condensé de beaucoup de choses, Maurice Radio Libre. Enfin, je retiendrai surtout la menthe fraîche de Lydie. Et... Je suis désolé, mais je me suis... Non, mais moi, je suis désolé de ce qui t'est arrivé, mais je me suis... Non, mais retiens, Kader, fais-toi plaisir. Ça me fait rire. Je me suis fait un délire personnel, je me suis imaginé en train... T'étais en train de sauter sur la pointe des pieds, courir vers la cuisine pour lui ramener le... le mec qui a passé une journée de dingue. Et ça a tordu, et ouais, le mec qui pleurait, c'est quand même particulier. Ouais, je resterai là-dessus, quoi, ça. Ouais, et du PS, aussi, ouais, ça m'a... Ouais, non, mais c'est dommage, hein. Ouais, t'as eu de la chance, quand même. Ouais, bah oui, enfin, j'ai dû gueuler, mais ouais, ça c'est... Ouais, laisse-le faire, ça conclut, merci. Ouais, pardon, Maurice. Ouais, voilà. Bon, en attendant, je vous souhaite à tous une bonne nuit, hein. Chose que je vais m'apprêter à faire, avec délice, et puis à très bientôt, à toute l'équipe. Alors, Cameron, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. La conclusion de Julien de Saint-Onyx, non, pas de Saint-Onyx en gros, mais de Sangouanier. Voilà. Ouais, ben écoute, ça va être très simple. Merci pour ton émission, Maurice. Bonne nuit à tout le monde et à bientôt. Alors, Cameron, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. La conclue. Suivez mon regard d'Alexandre de... Non, d'Arnaud de La Ferté-Alais, pardon. On nous reçoit à La Ferté-Alais. Ouais, Maurice, je voulais te remercier pour la soirée. Et puis, j'ai passé une bonne soirée. Et puis, souhaiter à tout le monde une bonne nuit. Ok, non, les bonnes nuits à toi. Bientôt, et merci d'être venu, tu sais où me trouver. La conclue... par ici, d'Alexandre de Strasbourg. Bah, 2h du matin, plus de 5h de radio un mardi soir, Maurice. Hein, là, c'est formidable. Hein, je suis content d'être là aussi tard encore. T'as vu, Maurice, je suis réveillé, hein, je fais des efforts. Bravo. Mais, ouais. Bah, bon, quoi dire, hein, moi, le voyagisme, c'est quelque chose d'important chez moi. Mais bon, voilà, je l'exprime sur cette radio. C'est un bonheur aussi de te croiser. Ils aiment. Enfin, moi je t'aime. Et ma femme. Et, t'aime bah, moi aussi je t'aime énormément, Lily. C'est la chorégraphie de mon amour. Waouh. Et elle va aller chercher un verre de menthe fraîche, vieux. Et Maurice. C'est vrai qu'on quand on écoute Maurice Radio Libre, on passe plus de temps des fois à la radio qu'avec nos propres proches. Hein. Quand même 4 heures quotidien, c'est pas rien. C'est un sixième d'une journée. Et voilà, ça fait partie d'une vie, en fait, Maurice Radoli. Bah, Maurice, moi, je te souhaite très, très bonne nuit. J'espère que quotidiennement, tout se passe bien pour toi. En tout cas, j'ai une pensée pour toi pour que ça se passe bien chaque jour. Parce que ton bien-être est important pour moi. Parce qu'il permet aux gens de t'écouter le soir et que tu sois là pour lui. Et je t'en remercie pleinement. Et également au modérateur de Maurice Radio Libre, Jérémy, LPB et puis Seb Job. Voilà. Ben, je vous fais à tous un gros bisou et puis bonne nuit. À bientôt. Ok, dans les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. Attention dans le couloir, là, de pas faire de bêtises. Hein. la conclue de Lydie à Chantilly. Ouais, Maurice, merci pour toutes ces heures, tous ces soirs de semaine passés avec toi. Je prends un pied extraordinaire tous les soirs sur le chat, MRL, le chat YouTube. Je te vois, là, je suis en interaction avec toi. Enfin, franchement, c'est un outil. T'as mis à notre portée plusieurs outils pour pouvoir communiquer avec toi et faire vraiment partie de cette radio et d'exister. Et franchement, ça fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas appelé. Je remercie Arnaud, comme m'a demandé Babette, de penser à Arnaud et de le remercier de m'avoir invectivé un peu à l'antenne pour que je réagisse. Ça m'a fait énormément de bien de discuter avec vous tous. Pour tout le monde, je prône la tolérance et l'ouverture d'esprit parce qu'il n'y a que ça qui pourra nous faire nous allier et être ensemble pour l'avenir et puis aller vers un monde meilleur, quoi, parce que
parce que diviser ce n'est pas mieux régner, enfin si c'est mieux régner et c'est faire vivre aux autres une dictature, on est tous là sur Terre pour tous vivre ensemble et cette radio nous permet de le faire. Donc encore une fois, merci Maurice de l'avoir créé. Je t'embrasse Maurice, je souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée, une bonne nuit et puis je rappellerai certainement prochainement. Voilà, à très vite. Tu sais où me trouver, en recadrant les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. La conclusion de Jesse à Compiègne. Oui, merci à toi d'animer cette émission. Je regrette un peu que j'ai dit au début. Rapproche-toi du micro, Jesse, on entend plus ce que tu dis. Rapproche-toi du micro. Ce que j'ai dit au début, tu m'entends ? Ouais, c'est un peu coupé, mais vas-y. Donc je regrette toujours ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était vraiment trop fort de café. Je me suis énervé. Enfin, j'ai présenté mes excuses. J'espère qu'on va parler évidemment. Ouais, j'ai quand même passé un bon moment malgré tout. Et j'espère qu'on pourra rediscuter tout ensemble dans la joie, bonne humeur et dans la réalité de chacun. Et donc voilà. Et je te souhaite une soirée. Tes musiques, elles sont très bien. Tu ne parles jamais de ta programmation, mais c'est une programmation qui est très enrichissante et qui sort un peu de l'ordre. Parce qu'on n'entend pas tous les musiques qui passent dans les autres radios, et ça, je trouve que c'est bien. C'est des musiques qui sont propres à ton univers, à toi. Partager. Merci beaucoup. J'entends plus ce que tu dis. Ok, non, les bonnes nuits à toi, Jesse. Merci d'être venu. Parce qu'à la fin, je sais pas ce que ça a déconné ton téléphone. Et la conclusion de Miguel à Petrópolis, au Brésil. Salut. Alors, je te remercie pour avoir passé des bons moments, là, dans la radio. Ici, il est 23h12, donc ça va, c'est pas trop tard. Donc, je te remercie, j'ai passé un bon moment avec vous tous, et puis je rappellerai, et puis à bientôt. Très bien, alors encadrant les bonnes nuits, et bonne nuit à toi, merci d'être venu. J'adore cette émission, je suis très content que ce soit moi qui la fasse et toi qui l'écoute. Je pense que qu'on a plein d'autres choses à faire, hein. Rappelle-toi que je te recommande de t'abonner à notre chaîne et de faire s'abonner à tes cousins ou je sais pas qui, tes amis. Même si même pas, hein, c'est pas grave, moi je supporte les gens qui m'aiment pas. Viens, abonne-toi. Et puis je rappelle à ceux qui sont dans le monde artistique, on va essayer, qui sont intéressés, où qu'ils soient, que nous allons faire une exposition artistique à Paris, Bastille, dans pas très longtemps. Hein. Donc si jamais tu es intéressé,